Un Bonjour mode le live. gay? Bonjour le live. Oui, salut. T'es là dimanche, hein, Romain? J'ai dit que je ne pensais pas savoir être là. Pourquoi? Je vous l'ai expliqué hier. T'es jamais là pour être pour jouer avec nous, tu ne nous aimes plus. J'étais là dimanche, il n'y a rien eu. Là, Mais je m'en ben, fous. je vais quelque part. Là, c'est un autre dimanche. Oui, et je vais quelque part. Donc je sais, j'ai pas envie de dire oui, je vais être présent alors que je ne sais pas si je vais arriver à l'heure ou pas. Ne me parle plus. D'accord, sans souci. Tu vas voir. En présentant Asteria, notre animatrice c'est athée. Aide aux personnes handicapées, du type de Ça va? Romain qui souffre d'infirmité. Romain, c'est notre mascotte. Et toi, t'es le président, donc. Président du club, ouais. Président des CAT, ouais. Bah ben oui. Le plus grand CAT du monde. Il adore être le président des C'est le CAT. pire d'entre nous. Genre. C'est pas ce que ta mère m'a dit. Hein. On parle pas des mamans. C'est Et j'ai clair. spawn, je suis à l'usine. Je suis en chargement de la carte. Toi, c'est ton Salut, problème, c'est le nôtre. Quoi? et mon jeu, il... Ah voilà, préparation de la J'ai partie. trouvé une ampoule. Je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Non, ça Je rien. suis entre les deux murs, entre les deux pièces, tu sais. Ça va aller là, on va peut-être arrêter de dire crier. Je suis pas en train de crier. Tu veux que je crie? Non. Ça m'excite, et ça m'excite vraiment beaucoup. Tu veux que je crie? Pas comme ça, hein. Ah, j'ai une carte d'accès! Oh, allez, tu te fous de ma gueule. Non, Je te Asté. jure! Non, Je te jure! Asté. Mais Je te Asté. jure, Tu crois qu'au j'ai une cliquer, c'est quoi ce carte d'accès! délire? Mais moi, je vais Comment on extraire. appelle ça? Être Je ne cocu, veux pas non? perdre ma carte. Ouais, Ouais, avoir la chance d'un cocu. Je te paie. c'est ma quatrième carte en Alexis, deux qu'est-ce que t'as jours, fait? quoi. Parce que là, c'est C'est bizarre. quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Ben, en fait, il y avait une madame dans la rue, m'a dit tu veux niquer. Moi, j'ai dit bah oui. Ah, moi, je suis dehors à côté d'un véhicule et je suis à C'est l'abri. normal, c'est la session. Ça te dérange beaucoup si j'ai l'extrait? Si j'ai peur de me Non, foirer. non, mais t'inquiète, mais on va y aller, t'inquiète pas. On va te déposer sur le coin. D'accord. Vous êtes Voilà. travaillé? Non, là, à l'intérieur, On est dans l'intérieur. l'usine. Oh, hein? Mais on est dans l'usine. Oh. Ah, il y a du On monde se met, dehors ici. je vous pète tous le cul. Je le prends pour un Ferme ta carnaval joie. dans tous les cas. Quoique, tu vois, si t'es pas épilé, tu lui passes la soie dentaire en même temps. Bah j'ai pas de ça. Salut le live, salut à tous. C'est Bouboule Lover. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire des sous sur Escape. Alors bon bah, et nous, bah, comme on le sait, on n'est pas allé à l'école, pas souvent, hein. Enfin du moins. Ah, je reviens. Il y a Non, la carte d'identité. on reste! Mais dépêche-toi, venez! J'ai peur de me faire buter avec une carte. Moi j'ai un injecteur. Oh bah, mais viens ici où on est, Romain. Mais je suis à côté de vous. C'est toi, ça? Non, attends, je suis là, C'est hein. Je Alexis, suis là, ça. je suis là, je suis là, je suis là. Coucou, Bobo Lover. Coucou! Coquille, coucou, Bobby là-bas. Ça se vend cher le dentifrice ou quoi? Une, deux, je sais pas. Une, deux, une. On fait des burpees. Des burpees. Une. Hop. Sauvez-moi. Hop. Hop. Ouf. Je me garde l'enfant. Allez, là, garde-toi en forme ailleurs. Je vais faire des squats. Une. Hop. Une. Deux. Une. Vous avez été voir là-haut ou pas? Non, non, Allez. j'attends que. T'as Asté qui Excusez-moi, fait des squats à c'était ma côté de maman. toi. Je faisais des Ouais, burpees. bah alors, deux fois, c'est pire, hein, j'ai envie de te dire. On T'as est pas pour vu, la mais. santé, ça Elle va. travaille sa souplesse. Allez, let's go. Ah bah attendez, je suis en train de prendre à manger. Vous êtes parti vers où? Verdor. C'est bon, je vous ai. Alors, agent Denzel, venez voir. Je suis là.
Tu vas escorter la madame jusqu'à l'extraction qui est devant, d'accord? Tu escortes devant, tout devant. Moi, il faut que j'aille par les parkings pour loot le temps que vous fassiez ça. Oh là là, putain, je lag. Moi, j'ai pas de loot. Ok. Non, mais Ah, je tu suis vas capable revenir de me avec moi? rendre. Je suis capable de me rendre, t'inquiète. Tu vas venir avec moi, mais Je l'ai c'est fait juste saisir. pour l'instant, là. Allez, Asté, go! Putain. Si on se fait tirer dessus, je me fais buter en main, je te le jure. Qu'est-ce Je que te vous le dites? jure. Je sais. Je l'ai dit à Paparaptor. Et Paparaptor, je te jure. Je Vous te connaissez, jure. il faut que j'aille toujours tout droit? Ouais, tout droit, ouais. Et Astel reconnaîtra l'endroit. Enfin. C'est laquelle, c'est extraction nord ou. C'est C'est soit la l'extraction. nord, soit le sud. C'est la sud, sans déconner. C'est soit la nord. Et force spéciale, c'est la Je vais te gâter aux carottes. Il est où, Kekaman? Ah, Kakaman! c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Kakaman! Après, on dit que c'est nous les CAT. Tu as les GAT comme Copain, copain, comment, comment? Oh putain, ça Vas-y, comment, comment, copain, Je connais copain! pas cette femme, j'ai oublié tout de Elle a des Viens mettre ta langue dans ma bouche! Ah, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi! Quelqu'un, oui! Dépêche-toi, gobin! Comment, comment? Vite, 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 gobin, gobin! Moi, j'en peux plus. Il est où, Kakaman? Le pauvre Kakaman, Kakaman! il se prend tout bête sur la tour, je Kakaman! Comment, attention, comment? En face du overwatch aussi, on a. Ouais. Ouais. Pourquoi tu dis à Goma mais pas à moi? Parce que toi, je sais très bien que tu iras direct sur overwatch. Deux. Ouais. Non, tu me le demandes Trois, pas si je trois. vais y être. Ah, Oh elle a non, pris à non, mais côté. Eh, les CAT, on se calme, hein. Maman, elle avait dit que t'avais pas le droit de dire ça. Ta maman. Et ouais. Elle te l'a dit à toi, pas à moi. Elle va te péter la tronche, hein. Non, j'ai peur de ta mère. Arrête, 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 arrête. M'arrête, on est en live, espèce. C'est bon, Asté, t'es C'est encore bon, grounded ou arrête. pas? Non, non, je sais où, c'est là-bas. Non, mais. Non, je sais où, je suis exactement là, c'est juste là. Je vais Non. juste vérifier la boîte qui est ici. Ah, ok. Ok. Parce que dans les parkings romains, mais y a que dalle, hein. Y a plus rien. Et bah, au pire, on s'extrait, hein. Bah, ou sinon, on monte au-dessus. Merde. Tiens, Asté, prends mon injecteur au pire. Après, c'est sûr de monter en dessous, ça va être Ouais, compliqué. Mais. après, prends-le. Non, mais non. Garde-le ton injecteur, Romain. Chut. Ah, ce qu'on va faire sur Escape, c'est que moi, je vais être l'armurier, moi. Et je vais vous vendre les armes approximativement combien elles vaut, ça. Avec Pourquoi? réduction, évidemment. Ah, parce que je sais bien faire les armes. Voilà pourquoi. Est-ce qu'il y en a qui ont plus de réduction que d'autres? Ouais, mais après, Il y en a c'est. qu'on budget ensemble, donc déjà il y en a qui n'ont pas payé. T'es à quel niveau ici? A, B? Ah, attends, j'ai dit ça. Mais d'un Je autre suis à côté, B. je te signale que j'ai farmé. Je suis à C, C, C. Oui, non, 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 ça c'est sûr. Comment? Ok, je rentre, mais je sais pas où je suis Au en Gamora, fait. tu te tais. Et il y en a qu'à Gonoré? droite? Non, Gamora. Hmm. Moi, Mais il y c'est a. madame dans Avenger? Il n'y a pas écrit Oui, mais c'est. Baby Groot, t'as vu comment qui est cute Baby Groot? Oh my god! Mais arrêtez de parler de Groot! Pourquoi? C'est mon ami. Il est tellement cute! Il devient gros après. Non, il devient gros avant. Arrête là, il est mignon donc tais-toi! Oui, mais il est toujours mignon. Arrête de me raconter le film, je l'ai pas vu! Ah, mais. Tu me parles Ah de oui, c'est Groot, vrai, moi je j'étais en train pensais de le que tu l'avais regarder. vu! Ben, on l'a pas fini, on l'a commencé. En fait, Astel ne voulait pas le finir avec moi, elle a dit de toute façon t'es qu'un connard. Tu t'es allé te T'es bien live, coucher? t'es bien. Non, 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 non. Si, Il m'a si, dit, si. va te coucher, fils de pute. Tu es allé te coucher. On est en live, merci. Je vous aime. Je vais crever, moi, je le sens. Hein. Pourquoi tu vas crever? Bah, je vois pas de C ni de B. Alors, ni de A. Bah, trouve le D, recule. Continue à chanter ta chanson et je mets celle que j'ai mis hier. Non, 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 c'est bon. T'entends pas de musique. En live.
m'en fiche, il est mute, le bot musique. Ouais, mais c'est parce que t'as aucune idée, c'était quoi que j'ai mis hier. Il était joli, ma chanson, hein. C'est juste parce que t'aimes pas les choses intégrales, quoi. Ah, ça devient bon, masse. Ah, l'eau, putain. Je suis à la station électrique, avec si, je suis retourné à la station électrique. Bah, va dans les parkings en face. Attends, ça parle, là. J'ai vraiment commencé à penser que je suis cocu, hein. 4 clés du lab. Ah, franchement, ouais. J'en ai 5, là. What the fuck. 2. Sauf que ça me fait un peu peur que tu dises, franchement, ouais. Chut, chut. C'est toi qui tire, Alexis? Ouais, je me suis fait déglinguer. T'es mort? Ouais. Oups. T'étais en bas? J'étais ou... Non, j'étais au premier. En haut. Faut que je traverse encore tout ce que je viens de faire. Ça doit pas être tant que ça, là. Tu viens juste de... T'es dans les sous-sols à côté d'Alexis, t'as vu mourir. Et t'aurais pu l'aider au lieu de le regarder crever? Non, il m'a pas vu mourir, c'est pas possible, j'étais pas dans les sous-sols. Non, j'étais à servir. Enfin, j'étais encore dehors, mais... Est-ce que t'as beaucoup de thunes à l'EP? Est-ce que tu peux acheter une clé? Laquelle? Ah ouais, non mais non. En vrai, non. Ok. Ah, attends, regardez. Allez, on est reparti, on traverse toute la map. Ça va l'extra, ouais, Romain. Alors. Je sais pas si les clés de caisse enregistrées valent la peine. Non, j'ai pas l'impression. Mais je pense que tu peux trouver genre des bitcoins. Bitcoin. Ouah. Vous avez vu les tuches sinon? C'est-à-dire? Quoi? La famille tuche, le film. Non. Mais si vous voulez rigoler un soir, regardez, vous avez mort le 1. Après, ça commence à être répétitif. Jean, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez regarder ou est-ce qu'on peut trouver de l'additif? L'additif? Alors, okay. On verra. Continue, toi, je vais niquer ta mère. Ah oui, quand même. Tu voulais pas un petit frère? Non, non, merci, ça ira. Dommage, parce que j'ai bien envie de lui péter le fion. On est en live. On va se calmer un jour, non? C'est dommage, je vais lui péter le fion, je vais lui péter le fion, d'accord? Bah c'est bon, t'as compris. Ouais. Moi je pense que t'as des cartes du laptop. Hmm? C'est que j'ai dû me faire plaisir. Hein. Pourquoi? Elle te plaît de cartes de lab. Hey! Je fais ça en train de... Oh, il y a quelqu'un qui est mort devant moi. C'est de l'additif que tu cherches. Ouais. Diesel fuel, c'est pas ça. Hein. Ah, il s'est fait c'est un bon stuff que je t'ai donné quand même, hein, Romain. Hein. En fait, ma pupille, j'ai des attaques d'immobilisation aussi. Des quoi? Des attaques d'immobilisation. Ok. J'entends tirer, vite faut que je me taille. Ok. T'as les stations. Oui! Nada. Bon, non, on a du tout. T'as pas mangé cet après-midi? Si. Non, tu dormais. Yokomer. Ecomio. Ecomido. Ecomido, elle m'a dit. Ouais, il y a un D, ouais. Ouais, ça se dit comido. Non, comido. Comido. C'est le mot, c'est comida. C'est O. Elle est en train de te dire d'aller niquer ta mère. Comido. Hein. Sérieux? Désolé. M'excuse. Non, mais pas toi, non. Arrête de dire d'aller à ma mère, d'aller niquer sa mère. J'ai rien dit, va te faire voir. Hein? J'ai rien dit, va te faire voir. Bon, après, bah, le truc, c'est que la madame, elle s'abonne de rien. Donc, tu sais, c'est quoi? C'est du catalan, tu sais pas? C'est quoi? Dis-moi.
Non, non, le curé, en fait, en boîte. Mais t'es con, t'en suis castillano? Bah, ça va, bah, ça va. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? C'est pas le pari, le catalan. Pour moi, c'est pas l'espagnol, le catalan, déjà. D'accord, t'énerve pas, hein. Mais, c'est un dérivé. Tu vas nous faire un infractus. Arrête! Je t'ai pas. Éconnu. Moi, il me semble que ta grand-mère, on disait comme ça, hein. Éconnu. Qu'est-ce que t'insultes ma grand-mère, là? Bon. Bon, je m'en fous, je la connais pas. Bon, qui est-ce qu'on met? Et combien? Nada? Oh, nada. Oh, je fais des économies. Si non, parce que tu dormais. Ouais, non. C'est pas... Bon, parce que j'ai fait une grosse sieste après-midi. 3 heures. 3 heures. Ah oui, t'as fait. C'est un coma. Hein. Bah non, c'est surtout que j'avais emmagasiné tellement de fatigue que ça a décompressé, quoi. Bon, tu viens dans 2 minutes? Ouais. Mais ma chérie, elle me dit que t'es une salope, maman. Arrête! Tu veux lui dire quelque chose? Arrête! Tu veux lui dire quelque chose? Arrête! Ouais. Arrête! Ah oui. Non, non, non! Non! Se calme. J'ai rien! Va te faire voir, Alexis Sanchez! Son chéri, ça y est, il est revenu! Ne bosse plus! Tu lui dis, j'ai rien dit, c'est toi qui startes la marde. Tu startes la marde, Alexis. Je sais très bien que je suis présente. Oh là là. Tu veux savoir combien tu passes pas dedans, toi? Hein? Ça te fera plus. Sans les dents, ça sera mieux pour. Je vais te soulever. Arrête! Arrête! Donc, agent Instagram, est-ce que vous avez trouvé justement où nous mettions, où nous pourrons trouver de l'additif? Ben là, je te présente une carte. Allez-y. Mais c'est ça que je fais, donne-moi 2 secondes, là. Dépêchez-vous, on n'a pas toute la journée, d'accord? Merci. Chill! Chill! Les bidons pour carburant se trouvent généralement dans la zone de l'échangeur, proche ou sur les groupes électrogènes, comme celui présent dans le magasin Techlight, par exemple. Emplacement des spots connus indiqués sur la carte. Bidon d'additif pour carburant. C'est une mission, en fait, que t'as le nard de guerre partie 2. Trouver un raid 6 bidons d'additifs. Il y aurait 6 bidons d'additifs. Agent Denzel, vous avez eu vos ordres? Du tout. Mais bon, réveillez-vous déjà, ça sera mieux. Nous devons trouver des bidons d'additifs. Pour cette opération, vous serez payé un sac. Ils peuvent également se trouver dans l'atelier principal du labo. Sur les piédestaux de la ligne d'assemblage, la cage avec les bras robotiques orange. Ils peuvent également se trouver dans les sacs, dans les caves morts, sacs de sport et les vestes en cuir. Tigidou? Pas Tigidou? Tigidou? Tigidoudou. Tu vois. Ah, on y va de nuit? Affirmatif, agent Denzel. La nuit se couvrira notre approche. Ah merde, j'ai plus mes trucs pour vendre dans la nuit. Quoi? Je prends un sac du coup, Alexis, ou pas? Je t'en donne un. Oh, c'est ça, lui, tu donnes tout pour moi? Et tu veux un sac? J'en ai un en plus. Normalement, tu devais m'en donner un? Ah, bah, je te donne un sac, c'est bon. Non, c'est bon, j'en ai pas. C'est un berquette. Comment qu'il s'appelle le truc pour voir dans la nuit, là? Je m'en souviens plus. C'est le PNT, tu sais, c'est fixation frontale. Mais tu l'as plus? Ah, ouais, c'est. Ben non, parce que je suis allée. Mon bébé. La fight et je suis morte. Il y aura bagarre. Hein. Ben, bon, parce qu'il je faut que je fume mes scars. Si dans 5 minutes, je vous pète la gueule. Ah oh là, bla 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 bla. Bon, je te bouffe la chatte. Bla 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 bla. Arrête, bla 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 bla. Tu vois, elle a fini? Ouais. Ok. Arrête, c'est bon là. Putain, c'est bon. On se peut presser pour quoi là? Je sais pas si je veux le Wilcox Colloque ou le JVN Armasite. Comme tu veux, mon bébé, c'est toi qui fais. Je reviens. Moi aussi, je vais voir si on mange bientôt. Oh, génial, tout le monde se bosse. Ben, allez-vous-en.
tout nu. Je vais prendre lui et plus de gun. Après, je suis pas à 30 000 perrés, hein. Hop. J'ai trop d'argent, je sais pas où le mettre. Je vais mettre mes robes sur les robes, ça rentre plus. Les robes. Sur les robes, du cap d'accès, mes clés et tout. Tu parles toute seule à l'extérieur? Non, je parle avec toi. Mais j'étais pas là moi. Mais c'est parce que t'étais un gros enculé, mais depuis tantôt je te parle. Tu m'as dit quoi? Rien, on est en live. Chut, faut rester poli. ATT 105. Genre, tu dis on est en live, faut rester poli. J'ai entendu ce que tu vous dites depuis tout à l'heure, tu aurais y aller. Moi et qui? Alex. Alex, ça fait bizarre quand on l'appelle Alexa. Alexa? Alexandra? Ça fait bizarre l'appeler Alex, je trouve ça bizarre. Après, il aime pas... moi j'ai pas le droit de l'appeler Alex, comme ça, il aime pas ça. Est-ce que si je l'appelle Alexandra, il va le prendre mal? Oui. D'accord. Il va sûrement te dire d'aller niquer ta maman. Alexandra? C'est pas grave. Tu vas voir, tu vas te faire niquer. C'est bon, il a rien dit. Pourquoi il se passe quoi? Alexandra, ça va? Quoi, Alexandra? D'accord. Bah, Alexandra, il veut savoir comment ça va, Alexandra, c'est tout. C'est moi qui t'appelle Alexandra. Si tu veux, hein. Genre Alexia, ça aurait été mieux. Alexandra, c'est loin de mon prénom. Ah ouais, pas vu. Bien vu l'aveugle. Alexia, ça va? Demande à ta mère. Va niquer, je te l'avais dit qu'elle insultait ta maman. Bon, on y va les enfants? Ouais, je suis prêt. Deux minutes. Je mange une demi-heure, donc dans moins d'une demi-heure, faut que... Silence. Oh, mais j'ai envie de te dire que c'est ton problème à toi, ça. T'as fini d'être agressif, toi? Je suis pas agressive. Tu veux savoir ce que c'est qui est agressif, toi? C'est bon, calme-toi, toi. On va sur échangeur. Très tranquille. Usine, bois, labo. Échangeur. Donc du coup, Astet, t'as dit que c'était sur échangeur près de Oli qu'on avait plus de chances de trouver de l'additif. Ouais, dans les trucs comme ça, dans les trucs de gazogène, je sais pas quoi. Non. Mais je te l'ai envoyé, bébé. Je te l'étais aussi. Ouvrir. J'assure rien, de toute façon on gagne rien. Récupérer. Tu pourras partager sur Escape Qu'est-ce que t'as dit? Tu pourras partager le live sur Escape. Partager le live sur Escape? Ouais. Sur Facebook et... Oh! Si je comprenais pas ce que tu me disais en fait. Ouais, je vais faire ça tout de suite. Ah vas-y, mets-toi... Ouais, bah viens et tu le fais pendant le chargement, t'as. Ouais, attends, deux secondes. Hop, bon bah, toc 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 toc. Bon, je peux gilet, rien, fuck off. Fuck off. Quelle map t'as dit? Échangeur. 1h du mat. 1h du mat. 1h du matin. J'ai même pas le droit de sortir à cette heure-là. Ma maman veut pas. Ah, c'est vrai qu'on tombe à 12 ans. Moi j'aime bien les enfants de 12 ans. Ça vous va si j'appelle la police? J'adore. La dernière fois, tu t'es essuyé l'anaconda sur mon petit toutou qu'il y avait sur mon lit. Oh, c'était dégueulasse. Le toutou était blanc, maintenant il est blanc avec des traces. On va peut-être se calmer là, non? Oh, hein? Et la fois d'avant, il était blanc avec des traces brunes. Je sais pas. Hunter, c'est Hunter qui s'est pris une clé. Pauvre Hunter. Tu peux arrêter peut-être ivri, Asté? Ah, je manque de sommeil, désolé. En une semaine, j'ai dormi 12 heures, donc désolé, le cerveau, il commence à... Dans ce cas-là, va dormir.
C'est pas l'heure de dormir, là, c'est l'heure de jouer. Fais les choses Tu sais, moi, quand je suis fatigué, bah, je vais dormir. Et comme je suis Romain, fatigué, toi, t'es tout le temps fatigué. et bah, je vais dormir souvent. Tu comprends maintenant pourquoi je dors souvent? Romain, en bivouac, tu prendras la garde de nuit. Pas de soucis. J'ai le droit de mettre du whisky dans ma sacoche? Non, je crois pas. Bon, je crois qu'on va faire des arrangements, Alexis, au niveau. Ça dépend, tu payes combien? Ça dépend, hein. Ça dépend. Disons pour les cigarettes, ça me coûterait combien? 200 euros. Pour une. Par Ah truc? non, après je t'organise des pots de cigarettes. 200 euros par mois. Ouais, et attends. Tous les combien la pause cigarette? Ah, ça, tu verras. Tête, tête, tête. Moi, on accorde les trucs maintenant. Ah, il me faut une paye, hein, qu'est-ce que Oui, mais moi, je veux qu'on accorde tous les combien. tu crois? De quoi? Après, Allez, c'est j'ai un mis. souci, mais. De Merci en quoi? plus. Non, parce qu'il parle des pots de cigarettes pendant l'airsoft. Il y en aura pas, Romain. Si, 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 Cherche. si, si, Non, si. mais en fait, Non, non, non. Romain, sans déconner, c'est des coups à ce que tu nous claques. Il n'y Parce en aura que pas, Romain, ça te fera du bien. si tu fais une pause, si tu fais une pause entre guillemets cigarette, et qu'après on va courir après, c'est pas bon. Que ce soit pour ton cœur ou pour tes poumons. Mais Faut que t'attendes un minimum de 15 minutes. Donc, je veux dire, quand on va être en partie, on va t'attendre 15 minutes tant que tu fumes ta clope, machin truc, et que tes poumons se Mais une sacrée popette. Non, non, y a pas Comme de... moi, arrête de Nous sommes fumer. responsables. C'est nous qui sommes responsables de votre santé, Romain. Donc tu fermes ta gueule et tu... Merde, attends, je te sors On lui sur remercie plus tard. Ah, mais je vais pas tenir 12 heures. Hein. Alors franchement, tu vois, elle est blonde. Viens voir. Lui manque. bye. Elle lui manque pas quelque chose, dis-moi. Bah. J'ai Ça partagé. va, Ben, j'ai mis. Oui! Mets tes JVN. Belgivienne. J'étais au téléphone, je voulais dire plutôt au Belgivienne. téléphone. Mets tes JVN C'est au pas radar. des JVN, je te l'ai demandé en plus. Si je prenais celui-là ou l'autre, tu me dis prends celui que tu veux. Non, C'est pas mais des Astley, faut JVN qu'il y ait que les tu me portes de veux prendre. JVN, espèce de blondasse, ouais. C'est toi qui me dis que de prendre celui-là? Si vous pensez que Maman Raptor est blonde, tapez un dans le chat, là. C'est génial, moi je verrai rien. Je te l'ai demandé et tu me l'as dit. Tu nous suis comme tu peux. Non, non, et Astley, tu sais bien à quoi ça ressemble des JVN quand même, sois pas attardé. Dans la dernière fois, on a pris que ce truc-là que la fixation. On va te faire Et enculer oui. quand même. Et la fixation? La fixation, ma puce, c'est pour mettre les JVN dessus. Quelle idée! La dernière fois, j'ai pris que ça. Je me souviens pas d'avoir pris des Moi, tu fais JVN, en sorte qu'elle me suive. Hein. je me souviens vraiment pas d'avoir pris des JVN, à part. Non, mais justement, parce que la dernière fois, je t'ai fait acheter des JVN qui étaient déjà montés dessus. Sauf Ben, c'est que, exactement Asté, le celle-là que je truc. t'ai Non, demandé. mais non, Asté, le truc, c'est que t'es pas capable de voir quand tes JVN sont montés dessus. C'est quand même grave. Mais non, moi j'ai confiance aveugle en toi. Je t'ai demandé c'est quoi ton Non, acquis la attends, dernière mais. fois, tu m'as dit fixation. Mais Asté, c'est Fixation. du marché. C'est ça qu'il faut te mettre dans la tête. C'est toi l'autre jour qui m'avais dit c'était quoi le nom? Mais c'est ça le nom, c'est fixation. Sauf que fixation, ils doivent avoir déjà les JVN dessus. Parce qu'une fixation, c'est pas obligé qu'il y ait les JVN. C'est pareil que quand ils achètent leur Glock. C'est con, ils ont acheté leur Glock, y a pas la visi. Y a pas la mire. Et c'est pas avec Kerman. Hein? T'as acheté ton Glock, y avait pas la mire. Mais attends, il n'y avait pas que moi, il y avait Tox aussi. Ouais, il y avait ça. Ah, franchement, dans les mecs, c'est athée quand même. Comment on active le laser avec ça? T. Non, ça c'est les lampes. Contrôle-T, contrôle-T. Vas-y. J'ai fait, mais il n'y a pas de laser. Vas-y, fais, T. Ça c'est moi, c'est pas vraiment. Contrôle-T encore? Moi je l'ai vu, hein, c'est sans laser. Je le vois ton Y'a pas laser. de laser? Mais si, je le vois. Et ça m'active la lampe. Mais c'est parce qu'il allume la lampe en même temps. Non, mais tu peux normalement, si tu fais contrôle T, tu peux activer que que le laser. Ah, mais j'ai un laser vert. Non, je le vois pas. Et alors, c'est pas grave. Non, non. Alors, Romain, en gros, là je suis en train de lire un article où en gros, c'est un gars qui explique que quand tu fumes une cigarette, la cigarette est bourrée de dioxyde de carbone, d'accord? Oui. Quand tu fumes une cigarette, ton sang, en fait, tes globules rouges, tu prends ça pour un bus. Alors, t'as tes globules rouges qui sont alimentés, bah, qui transportent entre guillemets l'oxygène, mais quand tu fumes ta cigarette après le sport et que tu vas recontinuer après, ça va transporter aussi du dioxyde de carbone. Donc là, faire un truc qui s'appelle l'époxy. Voilà.
Pour résumer, si ta barre réduit la capacité de votre corps à alimenter ses muscles, ouais, en carburant. Non, c'est pas 48 heures sans cigarette, tu me diras merci. T'es un voteuse ou tu es. Ah ouais, mais là, c'est pas le bon délire là. Donc la consommation de tabac pour conséquent d'augmenter ta fréquence cardiaque et donc tu peux parfait. Sur la gauche. Donc en gros sur la gauche. Oh, aïe. T'es mort. Bon, le plus. On en positionne toi au coin du mur là. Ouais. J'ai... Vas-y. Ok, restez là, derrière le bus. Tranquille Romain, tranquille. Mets-toi à couvert Romain. Reste derrière le bus, ça fait. Ouais. Faut que je me soigne. Vas-y. Okay, on va décrocher progressivement par l'arrière. Oula, Romain, fais attention. Derrière nous. Romain, derrière. On est plus en sandwich. Avec un gros sac. Oh, c'est moi, Romain, derrière! Ah merde! Je l'avais eu, j'étais derrière la voiture. J'ai tiré dans cette direction. Ah, je suis mort. T'as vu la petite description que j'ai mise sur le live? Romain, il est mort aussi ou pas? Non. Romain, il y a un trou derrière toi dans le plafond. Je te conseille de le rejoindre. Où ça? Derrière toi, dans le plafond, il y a un trou. Romain, mets tes putains de chiviennes si tu vois rien. Là? Y'a un trou dans le plafond qui donne au premier étage, Romain. On va encore mourir. Je vois pas de trou dans le plafond, Alexis. Ah, Romain ah. Putain, fais un panoramique 360. Tu le vois sur le live? Putain, mais Romain, y'a un trou dans le plafond. Remets tes JVN, Romain. Remets tes JVN. Je suis sur le live là, regarde, mets tes JVN. Normalement, t'as un trou derrière toi. Tu vas à droite, regarde à droite. Voilà. Là. Non, à droite, tout à droite. Enfin. Non. Passe. Putain, il y a le décalage et tout. Et il est là, c'est bon, je vois le trou. Faut que je tape un rush et monter là-haut, c'est ça? Ouais. Comment tu sors de ce guépier, ce connard? Ils étaient en train de camper, c'est... Putain, c'est un truc de fou, ça. Ah, c'est un PMC en plus là? Ouais. J'ai oublié de mettre des GVN. Tu sais en plus? Non, en fait, je les aurais pas.
Vas-y. Ok, quelqu'un peut me... Ok, continue tout droit. Tiens, en plus, quand j'ai demandé... Ah, il y a deux fixations. Je viens de voir qu'il y en a une qui s'appelle fixation avec GVN. Je peux pas trop... Ouais, ouais, tout droit, il faut, que tu continues à l'extrémité du magasin et ensuite on a un escalator qui pourra, tu pourras descendre. Et toi, notre point. Je vais afficher aussi ce truc. Tout est en train. Ah Romain, regarde dans ton sac, est-ce que t'as le... l'autre sac? Oui. Ok, c'était celui d'Asté, on garde lui. Crève pas. J'espère. Et t'avais pas le gilet pare-balles que je t'avais donné Romain? Si si. Pourquoi tu l'as donné? Si si, je l'ai sur moi. Bah c'est lui là. Non, c'en est un autre. Il est plus résistant celui-là. Ok. Il a parce qu'il a plus de points de vie, il est plus résistant. Hein. Ah ouais? Ah oui. Je suis en train de marcher, je veux toujours pas d'escalator. Alors. Ah, trop bien, t'inquiète pas. Ah, j'ai partagé sur le Twitter aussi. Ça marche, parfait. Discord, sur Facebook. J'ai liké. Voilà, je descends là. Fais double haut pour voir. Pour voir où sont les extractions. Extraction au sud. Ok, et eh ben tu vas longer à gauche là. Quand t'es sorti, il faut que tu longes à gauche, voilà. Et le mur, Romain, mets-toi pas au milieu de la route, longe le mur. Et tu pars sur la droite là. Et Romain mais je ferai, tu pourras le guider pour l'extraction. Faut qu'il aille où? Extraction sud. C'est là où on est allé tantôt, Romain, non? C'est le rond-point, enfin l'espèce de rond-point. Et Romain, mets-toi pas vers les sapins, longe le mur. Pourquoi on longe? Tu peux aller vers là? Vers la droite? Mais Romain, longe le mur! De gauche! Mais Romain! C'est pas possible. Eh oui! Je suis au carton. Oh là là. Tu vas avec nous sur Escape, Cameron? Moi je vais aller manger. Yeah. Ok, après. J'arrive à l'intersection là. Je mmh. reste à gauche. Ouais. Il y a un ramasse ça. Pas une personne. Hein. Mais il n'y a pas d'armes le mardi. Si. Mais non, c'est lundi, mercredi, vendredi. Non, c'est lundi, mardi, mercredi. Non, c'est. Non, on n'est pas mercredi aujourd'hui. Mais ben non, on est mardi, il n'y en a pas le mardi. Bien sûr. Bah c'est nous de cette semaine. La semaine dernière il y a eu mardi. Il y a eu lundi, ouais, mardi, mercredi. Après il n'y avait pas eu jeudi, il n'y a pas eu vendredi, il n'y a pas eu samedi. Et il y a eu dimanche. Bah on va y avoir dimanche. Les horaires changent tout le temps. Bon. Ouais, c'est toujours 21h, c'est rien. Non 21h oui, c'est des journées. Bon on a juste mis mardi en plus, c'est bon.
Ouais, c'est ça, c'est normalement, c'était lundi, mercredi, vendredi. Bref. Alors, au moins, normalement, on continue tout droit. Ouais, et tu devrais voir, normalement, tu devrais être à l'extraction, là. Enfin, si... sans orientation. Eh bien. T'es en fio, Raptor Gaming. C'est qui Raptor Gaming? Raptor Gaming, c'est moi qui parle avec, avec le compte. Ah, quand c'est toi qui parles, c'est en fio, du coup. Ouais. Parce que c'est le. Non, putain, on peut pas faire des pubs de. On peut pas faire des pubs pour le concours sur le live, tu sais. Pourquoi? Bah, parce que c'est trop long la publication, t'as. Ouais. Chat. Nous rejoignez sur Discord, d'accord. Il y a tout des lives sur GTA aussi. On reprend le 5M. Pas qu'on fasse pas de live sur YouPorn, ça. Ah putain, non, ça c'est plus privé. Je vais voir ça casté là. Ah, le live va se mettre en pause du coup, puis on reprend quand t'as fini de bouffer. Moi ouais. Je vais. Avale tout. L'assiette avec. Sur l'escape là, non? Ouais. Vas-y. On m'a eu tête, on m'a eu dans la nuque. Oh là 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 là. Et moi, il y en avait un derrière, je l'ai bien blessé, mais le truc, il faut que je m'ajoute des grenades dans le stuff parce que. Alors, les grenades, c'est pour grenader. T'as perdu ton droit de parole. J'ai perdu ton droit de parole. Tu me l'enlèves tout le temps. Je m'abstiens de dire quelque chose parce que nous sommes en live. Je t'aurais bien dit de faire autre chose, mais après, bon. Je vois pas de quoi tu parles. Échangeur à 15h, ma poupée. Et moi ou à Kirkman? Eh bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon appétit. Oh,
second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been, and I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you. What's the point in saying that when you know how I'll react? You think you can just take it back, but shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that. Cause when it all falls down, then whatever. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad.
La. Et on dit bonjour le live. Salut. Il est resté... Non, c'est. Il a c'est carrément pas, resté 20 minutes tout seul le live quasiment. C'est pas grave, il est grand, il est capable d'arrêter tout seul 20 minutes, il y a mon repas, on se calme. Mais j'espère pour lui. Alors, je s'appelle Groot. Oh, il est tout mignon, Groot. C'est un bébé Groot. À partir de quel moment c'est mignon? Eh, tais-toi, c'est trop mignon, Groot. Groot, il est vraiment cute. Il s'appelle Groot. Il est pas cute, attends, quand t'as un arbre qui te parle comme ça, moi je regarde, oui, je fais... Oui, mais au début, t'as vu comment il danse? Tu vois, tout le monde essaie de parler, je sors la tronçonneuse, clairement. Moi, je t'ai dit moi. Douane, à 6h? Non, allez, commence. À peine m'énerver, là. À peine. Je sens bien, quoi. 45 du matin, sur quoi, dépêche-toi. C'était pas ce que tu disais hier. Tu disais, bon, d'accord, moi, chérie. Invitez-moi. Attends, je suis pas encore prêt. Il faut... Non, mais attends. Du coup. Bah si, on y va de nuit. Mais 18 on y va de nuit. Eh oui, mon bébé, c'est plus sécurisé. 18h. Faut acheter des JVN. Il est 18h48. Il fait jour à cette heure-là jusqu'à 21h. Il fait jour dans le jeu. Mais et on va attendre un petit peu, tu niques ta mère amicalement là. Amicalement, sans souci, je peux faire ça. Autre-moi comme tu es. Ce soir. Mais j'en peux plus, vous m'énervez. Autre-moi t'es... Ouais, voilà, ça y est. Autre-moi t'es néné. Je rappelle que le live est lancé. Alors il peut y avoir des enfants. Ah bah les enfants quittez le live, moi je vous le conseille parce que ça va partir en couille. Hein. On peut se faire straquer parce que YouTube il est méchant. Est-ce qu'on peut passer au moins 18 et... Non, c'est bon. Bon. Mais non, mais t'imagines que j'achète quoi, hein, elle arrive. Tais-toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je s'appelle Groot. J'achète des fixateurs pour GVN et après j'achète le GVN, c'est ça? Tout à fait, Denis. En fait, regarde, normalement des fixateurs, il y en a. Enfin, ils en vendent généralement les fixateurs avec les GVN directement dessus. Regarde. Ok, je viens de. Ouais, mais c'est 600 000 roubles. Quoi? Non, c'est pas 600 millions. Ouais, le gars. Ouais, non, mais parce que c'est les Given là, qui sont. C'est pas les bonnes. Ouais, je pense, là, c'est les géantes. Attends. N'oubliez pas vos cagoules okay, de ghost. Ouais, 67, 68 000. Ouais, moi, c'est la cagoule de ghost. Oui. Ah, oh, mais moi, je l'ai plus, la cagoule. J'ai envie d'acheter un autre. Mais maman, c'était... je t'ai dit de pas en faire. Tu vas pas mélanger? Mais si, mais maman, tu te fais pas chier. Ouais, c'est bon, la pince. Pourquoi je l'ai fait? Pourquoi? Pour que la pâte, elle s'abîme pas quand même. Ouais, merci. Je vais en refaire demain, ça fera comme ça, j'aurai utilisé toute la pâte. Si vous connaissez les visures. Mais ta mère, elle a fait de la pâte assez pour faire 94 millions de pancakes, ouais, mais ça fait comme une semaine par manche. Faire, c'est 94 millions de pancakes. Ça fait une semaine, t'en manges. Parce que ça fait deux semaines qu'on en mange, apparemment. Tu sais, tout le temps, t'as pas dit. Quelques pancakes, hein, c'est pas pour... Voilà, à chaque fois, je le refais, la pâte. Mais non, c'est parce qu'elle dit, il faut pas que je dépense, c'est ce qui reste. Mais qu'on dirait qu'elle l'a fait vraiment pour faire genre 50 pancakes, puis ou c'est toi qui l'as déçu, puis qu'il n'y a pas mangé la quantité qu'il fallait que tu manges. Ouais. En fait...
C'est ça le problème. Moi, je pense que c'est C'est bon. Ok, ça, c'est bon. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot, il est super. Comme mon viseur, les holos avec Groot et avec Magnifica. Douane, hein. Mais garde ton AK, Romain, il est bien le viseur que je t'ai mis pour là. J'ai pas de visuel à longue portée, je peux pas mettre de bonne tête. On y va en mode silencieux, Romain, c'est ça. De toute façon, Romain, tu sais pas mettre des têtes. C'est pour ça que t'arrives pas à mettre des bonnes têtes. Eh, mais arrêtez d'être comme ça, hein. Méchant avec moi comme ça. Là. Arrêtez. J'ai pas mis un souffrir, ok. The fuck. Oh, Lady Gaga, tu la fermes. C'est à qui tu parles? À vous deux. Ah ouais. Bon, ah ouais. Pute. Bon, j'ai des attaques d'immobilisation s'il faut, un bandage, des painkillers, et il me faut la trousse médicale. Et j'ai fait tomber ma cendre sur mon bureau. Bien fait. Bravo, bravo, bravo. Ah oui, pour revenir à l'histoire de tout à l'heure, tu sais qu'il faut un minimum de 50 minutes avant de pouvoir prendre le sport et la clope. Et ainsi, arrête, c'est relou. Ouais, c'est pas relou, non, c'est pourquoi. C'est vrai, oui, mais c'est relou. Bah pourquoi c'est relou? Je sais que, voilà. Et quand tu viens d'arrêter ton sport, et bah tu vas pas fumer une clope parce que toutes tes alvéoles pulmonaires sont ouvertes. Bon, je suis prêt. Je vous attends sur... Merde, j'ai oublié ma cagoule. C'est relou. Après, on va s'étonner. Pourquoi tu fais la gueule? Bref. Je t'ai juste dit... 7h, 19h. C'est bon. Bah du coup, il faut que ça soit la nuit. Bah on va attendre. Parce que 7h, il fait jour. Bah il commence à faire jour. 19h, il fait encore jour. Astrid, tu me payes combien pour t'escorter? Ok, elle nous paye pas, on fait de lave. En fait, c'est quoi la mission là? On doit escorter pour trouver des documents. Sur Douane. Alexis? Oui. T'as une idée de quand il va arriver? Je sais pas. Ah, ok. Je comprends rien à leur site. Ah, ok. Je le regarde après. Mais ça me fait chier aussi, j'y comprends rien. Je crois que je vais te filer, on va le lien parce que au Canada, vous nous cassez les couilles. Hein. C'est ce que je fais d'habitude, moi je te fais le lait. Il a pris l'avion en plus? Non, pas là, je l'ai commandé directement là-bas parce que l'avion c'est 30 euros. Hein. Minimum. Ici, si je passe une petite boîte, une toute petite boîte pas grosse, là, ça peut me monter à 100$ pour l'envoyer. Mmh, ouais. 60 euros pour t'envoyer un petit truc là. C'est une boîte 12 cm par 12 cm par 12 cm. Elle demande l'état, je lui ai envoyé un bijou un jour. Dans une boîte, demande l'état de la boîte quand elle est arrivée. Ouais, elle était toute défoncée. En plus. Et t'avais payé pour que... Comme ça, ils explosent tout. Tu connais les bijoux Pandora, Romain? Oui. Alors, voilà. C'est les bijoux qui sont... Parce que c'est ce que je lui ai offert. Ah. Eh, ouais. Je suis pas romantique, moi. Moi, je dis achète-lui une clé Tiffany. C'est quoi ça? Une quoi? Une clé Tiffany. Une clé? Ouais, et tu l'as fait graver. Ah, mais c'est classique. Ouais, c'est des clés que tu fais graver avec le nom, les trucs du genre. Classique. Ah, tout le monde connaît, c'est chiant. Non. Vu que tu connais pas. Vas-y, je t'ai dit, c'est clé que tu fais graver avec le nom, pauvre con. Oui, mais il n'y a pas que ça sur la clé. Enfin, t'as plusieurs formes sur les clés, tout dépend. Moi, c'est pour ajouter des petits charmes dessus. Moi, c'est la clé de ta culotte. Non, de ma culotte, du coup. Ah, t'es con. T'étais bien parti. T'étais romantique et tout, et boum. T'as tout niqué. Ouais. Alors, t'es un petit breton. C'est quoi? Nique ta mère.
D'accord, on fait ça à trois? Non, 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 je crois pas, non. Mon Dieu. Quoi? Bon, tu sais quoi? Je t'envoie le lien, tu me dis si tu peux le regarder, parce que là, j'en ai marre. Je comprends rien, ce putain de site. Pourquoi tu ne demandes pas à ta maman d'habitude à Putain de comprendre? Québécois, de mes couilles. Eh oh, on se calme. T'as fait du retard d'accueil. Surtout, Alexis, commande sans regarder les prix. En De quoi? quoi? Sans regarder les prix, parce que... Non, mais il comprendra. Bah, le truc, c'est que là, tu vois, Non, mais je te putain. parle pas dans ce sens-là, dans l'autre sens. Génial. Désolé, nous ne pouvons pas trouver la page que vous recherchez. Ok. C'est tout? Ah non, c'est de la Ah merde. Ouais, Romain. oh, non, mais c'est parce que d'après moi, t'as de voir une session et tout. Ah non, c'est 2000. Non, mais c'est 2000. C'est ça, Romain? Ah, 2000 quoi? oh, ça va, c'est rien. Pour Tiffany, c'est de l'entrée de gamme, ça. 1100... Ouais, c'est 2000. Ok, non, non, mais d'accord. J'ai cru sur coup, c'était 1,50€. J'allais dire, mais what the fuck, c'est quoi stock? 2000 euros? Ouais. Mais ça, c'est T'as les. donné cette clé-là à qui? À ma maman. Mais pas T'as celle-ci. payé 2000 euros? Non, pas à ce prix-là. Hey, Romain, ça, tu fais des cadeaux comme ça quand tu veux ken la personne. Oh mon Dieu. Non, mais t'en as beaucoup moins cher. Romain, 2000 pas euros, avec ta mère, hein. En fait. t'es dans les milieux de gamme à 2000 euros. T'en as qui montent Ouais, à je sais. 12, 13, 14, 15, 20. Je sais. Après, ma pupus, c'est pas pour te dire, mais je préfère qu'on investisse dans une voiture que dans un truc comme ça, tu vois. Tu vois, par exemple, je sais pas si tu vois sur la page tout en bas à droite, t'as une Tiffany en platine 925 mm avec ornée de diamant, elle coûte 14 130 euros. Alors que c'est de l'argent. T'en as en or. Romain, là, il se la joue. En fait, il a commandé un petit bracelet sur le site Wish pour sa maman, genre. Non. Carmen, tu viens? Non, parce que moi, j'aurais Bah jamais ouais, mis ce justement. prix-là. Douane à 19h. Je sais pas si vous connaissez le site Wish, tu sais, c'est tous des trucs qui valent Oui, on vraiment pas connaît. cher, mais c'est vraiment de la grosse merde, là. Non, 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 jamais j'aurais mis un truc comme ça, quoi. Mais ma bague de mariage, combien tu penses qu'elle va coûter? Bah Enfin, là, là déjà c'est la bague de mariage, mon amour. la. Mais pas 12 000. Déjà la. Non, mais c'est parce que déjà il faut la bague de fiançailles. Avant. Et après, ça prend la bague de mariage. Je vends Et une femme. Qui c'est qui la veut? ça prend le jonc pour toi. T'sais, mais si toi, tu as un jonc de mariage, moi, j'ai une bague qui doit aller avec le jonc plus la bague de mariage. Qui c'est qui veut une femme? Je la vends. Pourquoi? Non, je veux pas. Ça me coûterait plus cher que la bague. Et il faut pas oublier que ça prend la robe de mariage que je vais choisir avec ta maman. Ah, Tu ouais. l'avais Normalement, dit? On va aller censé shopping. être la maman qui paye. Hein. Oh. Mais non, mais c'est parce que moi j'ai pas de maman. C'est Laissez censé. ma maman tranquille. Du coup, faut que j'emprunte celle à Alexis. Pas de soucis, ça. C'est ce que je lui ai dit ce matin. Je lui ai dit, tu ferais mieux de te tirer avec mon Canada que de rester avec ces gros cons. Bah, qu'elle vienne. Ouais, mais pas. Le seul problème, c'est que chez moi, elle pourra pas passer l'aspirateur, j'ai pas de tapis. Ah, va faire quoi? Tu passes l'aspirateur quand même, non? Même si t'as pas de tapis? Ben non, moi je passe le balai. Et la vadrouille. Je passe pas vraiment l'aspirateur, quoi. Moi je passe Mais jamais tu sais. le balai, j'ai que de l'aspirateur partout. Et puis en plus, tu sais, on a les petits aspirateurs qui se baladent tout seuls dans la maison, là. Ouais, des C'est ça robots. que j'ai besoin. Ah, j'ai besoin de ça. Un jour, toi, tu donnes ça un jour à ta mère, Alexis, puis c'est fini, là. Elle pleure. Elle est triste. Bah, c'est une championne d'aspirateur. Ouais, c'est ça. Elle a fait les JO 2015. 2015. Je sais pas, c'est une connerie, mais. Des respawns, non? Non, Bientôt. on attend 2 jours. Non, mais Alexis, après, Fini tu à peux trouver boire, des je reviens. trucs convenables, hein, sur Tiffany, hein. Genre 100 ou 150 ans, quoi. Même moins. Tu veux que j'aille voir sur Tiffany, bébé? Hein, Alexis? Il s'est mis dessus de t'attendre faire quelque chose. J'ai envie d'aller voir sur Tiffany maintenant. T'as plein de bougies. De bijoux, pardon. Oh, génial, je m'en vais voir sur Tiffany après. Tu veux que je t'envoie le lien? Ouais! Je vais lui dire, je vais lui dire. Ah, Romain m'a envoyé le lien de suite, Tiffany. Et en plus, c'est américain. Donc, ça se trouve. Il t'aimera pas beaucoup, Papa Raptor, après. Hein. Ça dépend, hein. Ça se trouve, tu vas choisir quelque chose à 20 euros. C'est un tout petit bracelet, tout petit, tout petit, tout mignon. Tu me connais pas, toi? Tiens, amuse-toi. Plus ça coûte cher, plus ton homme t'aime.
comme ça que ça fonctionne. Je suis pas sûr. Ah oui, t'as ça. Ah bah il fait nuit là. Ah là il fait bien nuit là. Ouh là là. C'est qui avec la M4 ou l'équipe? Ça doit être Alexis. Ouais, c'est Alexis, il y a deux lasers. Non, c'est pas Alexis. Ah bah Alexis, il a pris une autre arme alors, il n'y a plus qu'un laser. C'est toi là? Avec toi, c'est une M4. Hmm? Merci. T'es parti où, Esther? Esther arrête de courir partout. Est-ce qu'on tuerait pas Papa Raptor et prendre tout son stuff? Bah. Tu veux la répéter ta connerie? Hmm? Arrête, arrête, tu me dis que les oreilles là. Arrête de bouger. Ah, Matt, tu veux la répéter ta connerie? Non merci, aïe le laser, ah, c'est mal. Mets le canon dans mon, de mon flingue dans ta bouche. Ça tire. En avant Marines. Ok Ghost, ouais. On y va. Oh j'ai acheté de la cagoule, j'ai oublié de la mettre. Bravo, vous êtes un focus. Là, je dis, je serais pas malheur en France sans moi. D'accord. Parce que. Non, mais après, non, je veux dire, on va travailler, bien évidemment. Mais, c'est quoi. Mais c'est comment toi t'as à faire tous les deux? Qu'est-ce qui se cote? En fait, aussi, si tu veux la ramener. Hein. Ouais, mais je veux la ramener. Je veux pas qu'elle habite avec toi. Mais il y a tellement d'endroits où il faut... Contact devant! En avant! Je couvre. En plus, il va avoir une résidence pour personnes âgées autonomes. Non, même pas plus. Autonome? Non. Gauche! Allez, t'as... je vais chercher. Et voilà pris tout de suite. Quelqu'un voit le tireur? Négatif. Restez contre nous là, contre le mur. Vite. Par ici. On va faire le tour. J'ai entendu à gauche. J'ai entendu à gauche. Tout le bas, Ackerman. Romain avec moi en tête. Astey, tu te mets au milieu du dispositif. Ça va les pas de blessés? Si moi là, bon, oh, mais c'est bon, c'est léger. C'est léger? Okay. Ouais. Ouais, léger. Contact! Traité! C'est un PMC. Ok, quelqu'un de loot, installé avec les couteaux. Attention, ça court, à gauche. C'est qui? C'est l'un d'entre vous? Contact! Je suis resté, je vais en couverture. Help! Côté gauche! Chargeur! J'ai besoin d'aide! Je prends à droite. On y va. Non. Carman, c'est trap. Non, moi c'est pas encore clair, mec, j'ai vu se barrer. C'est bon, il est mort, je l'ai vu. Ok. Non, ça tout. T'inquiète pas, Carman, t'inquiète pas, c'est moi. Tranquille. Et t'es voilà, mais... J'adore ce jeu. Putain, c'est bon. C'est qui est blessé dur là. Carman, ça va? Ah ouais. Il y a quelqu'un qui tousse, hein. Quelqu'un qui est mal par contre là. Astier, regarde. Je crois que c'est moi. C'est moi, j'ai le thorax défoncé. Putain, ici. On se retrouve. Oh putain, à droite, à droite. Putain. Il est où, Carman? Bah derrière, devant, Romain. Je suis mort. Ah merde. Non, je l'avais presque eu.
Les gars, vous abusez, vous êtes fait niquer par un mec au. En musique. Mais il était très en colère. Ah, mais quand même. J'aurais pas dû prendre. C'est dommage, ça. C'est pas grave, on va payer quoi 100 000, on va se faire du scab, c'est pas un problème. Bon, c'est pas grave. C'est dommage, ça avait bien commencé, les gars. Ça avait bien commencé. Je sais pas si vous avez vu au début les trois têtes que j'ai mis au scav. On fait du scav du coup. Ah bah ouais, on va partir en scav. C'est pas grave les gars, on peut pas gagner à tous les coups. Hein. Le truc c'est apprenez de vos erreurs. C'est surtout ça. À 8h. Ouais. Du coup moi je reviens dans une dizaine. Ça marche mon amour. Ok, je reviens sur le bras. Je t'aime. Je laisse mon corps ici. Je t'aime. Ouais, 8h les gars. Moi aussi. Je suis parti en PMC. Ah bah oui. Oh là là, bravo Romain. Ah c'est dommage les gars, c'était pas mal, on en a eu 3. On a eu 2 PMC. 3 scars. T'es pas à droite, t'as quand même noté à gauche. Il y en avait un devant moi, il y en avait un derrière. En fait, il faut localiser le son les gars. Il faut localiser le son, ce qui est dommage. Parce que moi j'en ai vu un à droite. Et je l'ai mis très très low et ils étaient 3 en fait, je pense, en face. C'est pas grave. Quand on est là pour se détendre un petit peu, hein. C'est pas, voilà, ça fait chier de mourir. Mais le stuff, on va le récupérer, les gars, hein. C'est pas un problème. Hein. En plus, j'ai fait de la merde parce que j'ai pas vu que ça me contournait. En fait, ça a longé le mur juste sur la droite et je suis sorti pour aller chercher l'autre et au final. Kerman, on t'attend pour faire du scav, mon petit chat. Ah, je suis en train de faire mon stuff. T'inquiète, Kerman, t'inquiète, c'est pas grave. Comme je t'ai dit, là si on se met correctement sur le jeu, qu'on ferme tranquillement, les gars, le stuff, vous l'aurez. Vous avez vu tout ce que j'ai, moi ? Hop. On va quand sur FiveM, du coup ? Ah, j'installe le jeu et on y va. Tu as toujours pas installé ? Bah, j'ai pas la connexion de vous, il fait 70 gigas, les gars. Hein. Ah ouais, c'est vrai, il fait 70 gigas. Ah ouais, autant. J'ai mine. Oui. Ah ouais, moi je suis pas jaloux de ta co, gros, je m'en fous, t'sais. Tant que j'ai une co pour jouer, c'est clair. Je vais pas mon plan. Non, quoi. Mais tu vois, je fais le malin. Là, ils sont au Nigeria, ils ont pas de co. J'ai tiré, ça se trouve, je fais le malin, machin truc, mais sur FiveM, j'ai pas arrêté de plante. Enfin, j'espère pas, mais. Par contre, Taxi, je crois que t'es dans le caca. Asté m'a demandé le lien de Tiffany. Hein ? Elle m'a demandé le lien de Tiffany. Non, c'est toi qui es dans le caca, Romain, parce arrête, que maintenant. Arrête. Non, mais il lui a donné. J'ai plus de boulot, arrêtez. Je reviens. Non, c'est moi qui lui ai demandé en plus. Est-ce que tu veux le dire ? Putain, en plus, le mec devant moi était au revolver. Il devait être mal, quoi. Je crois même que je l'ai buté. Et là, je me fais niquer. Non, revolver. Ah ouais, bah non, revolver. Non. Bon, en tout cas, c'est sûr, j'ai eu une tête. Il devait pas être trop bien, tu vois. Non. Il y en avait 2 au revolver et 1 avec une grosse arme. Bah moi je sais que j'en ai eu un sur le côté gauche parce qu'on était entre 2 bâtiments entre guillemets. Le mec je l'ai eu sur tête. Il était encore vivant, il me tirait dessus. Sauf que bah quand j'ai mis la tête, il s'est déjà mis à couvert. Donc je pense que ça lui fait bien mal, tu vois. Et bah je me suis fait niquer derrière. Ouais, ouais, sur la gauche, sur ta gauche. Là je vais te dire, je vais me prendre un intégral dans au niveau du visage, je ne vais pas me faire avoir. Ouais mais non, mais ça sert à rien les casques sur ce jeu, j'ai jamais vu ça. Mais ici, lui, il a pas de casque, lui, ils sont pas les. Ouais. Montre-moi comme tu es. Oh là, je peux te dire là, tout ce caf, mec, là, qui. Bam! Mais là, ils étaient pleins de PMC, vache! Ok, Ghost, vous êtes là ? Non. Pas sur la carte, mais ouais. Ouais, salut, je suis là. Moi, t'es né. Je suis tout seul. J'ai pas envie de mourir.
Elle parle un peu plus. Ah, elle dit qu'elle revenait dans une dizaine. Bon les gars, si elle veut des bracelets Pandora, va falloir qu'on aille faire des braquages. C'est pas Pandora, hein. Pas Pandora, pardon. Bah au pire, on fait un braquage et on les aura. Hein. Non mais moi, là où j'ai le plus peur, c'est que ce soit elle qui fasse le cadeau, tu vois. Et la connaissance... Non, arrête, t'es connerie, arrête. Non, non, y'a pas de problème. Ah ouais, c'est bon. Non, non, arrête. Si je me trompe pas, y'a pas de problème, normalement. Cette femme est assez tarée pour le faire. Okay. Et c'est pour ça que y a peut-être pour Rome, faut que je regarde. Mais moi, c'est moi, je vois toujours le mal, tu vois. Je vois toujours les. Ah, c'est pas mal, c'est pas du mal, ça. C'est pas le mal, non, mais c'est pas le mal, mais je vois toujours le problème. Tu vois toujours le petit problème, le petit truc. On se retrouve dans les parkings, les gars. D'accord. Moi, je suis dans un magasin à côté de Top Brand. Moi, je suis dans un. Désolé, je pense à un truc. Moi, quand je pense, il faut que je le dise. Mais quand on va faire de l'airsoft, il faut qu'on trouve un moyen de rec, tu sais. Quelqu'un en face de moi, est-ce que j'ai mis de balle GoPro. Qui court Non, non, non. Saute. Parce que c'est moi qui cours. Ouais, c'est toi. GoPro. Je suis en face de toi. Ouais, une GoPro, voilà. Moi, j'en ai une. T'en as une? Bien, parfait. Bien, parfait. Alors, Mais elle se fixe sur casque? Hein? Bah, tu peux la fixer, je pense, ouais. Ou sur l'arme directement. Ouais, quand je regarde, je pense pas qu'il y a grand monde sur le live, mais bientôt il y aura des séances de airsoft. Dans quoi, un mois ou deux? On peut espérer. Tu peux rajouter un peu, je pense, aussi. Le temps qu'on est tout. T'es parti vers où? Bah, si tous les deux on peut avoir l'équipement, on peut commencer, Romain. Ouais, mais on l'aura pas dans un mois ou deux là. Bah, écoute, moi je vais l'acheter. Hein. Tu vas tout acheter d'un coup là? Ah, ouais, bah ouais. Tu vas en avoir pour 1000 balles au moins. Pas 1000 balles, il nous manque quoi? Le casque, les chaussures, 160 euros à peu près. Ok, la réplique, l'équipement qui va sur la réplique. 200. 200 euros l'équipement, on va juste prendre un viseur pour commencer. Hein. On va pas. Les porte-chargeurs, les chargeurs. Ouais, les porte-chargeurs, les porte-chargeurs, voilà, ouais. Quoi, 400 euros? 400 euros? Ouais, 4-600. 600, ouais. J'ai perdu Alexis. Je suis descendu en bas, je suis descendu dans le parking. Ouais, moi aussi. Je vais vers les tentes à gauche quand tu sors. Ok. Tu vas m'entendre couvrir normalement. Tu m'entends peut-être couvrir aussi? Non. Je suis à gauche normalement quand t'es sorti. Ouais, bah là il y a une. Dans le parking, je suis à la section A, A12. A12. Ah, t'entends? Vas-y, cours. Ok, j'ai pas dû sortir la bonne sortie. Genre par le trou. Bah, je rentre dans le parking par le trou. Dans le sol. Oui, il faut voir. Oui, pour leur soft, il faut voir. La GoPro, faut que je la retrouve, je sais même pas si je l'ai encore ici. Après, c'est ça. Ah, faut que ce projet, les gars, faut que ce projet, ça marche correctement. Sur le casque, tu voudrais la mettre? Bah, je non, trouve que c'est le meilleur. Bah, non, moi, je trouve que c'est le meilleur, c'est le casque. Tu vois ton arme et d'où ça fait un style FPS, Ackerman. Ouais, la place de genre des JVN. Ouais, voilà, ouais. Ok, je suis à A, Alexis, je suis au niveau par des. Par contre, il faut acheter le montage titanium, je suis à B maintenant, B18. A7. Ah, je crâne pas, les gars, moi, hein. je de taille en hein, scaf. Hein. Ouais, bah, j'ai pas loot encore, donc. Bon, y'a pas grand chose, hein. Je te dis. Putain, j'arrive pas à me repérer là. Y'a pas de putain ici, mon jeune homme. Que des mamans. Ah oui, c'est vrai. Exactement, elle travaille. Ok, je suis à B. Ouais, je fais mourir. Ah, je suis énorme. B12, je suis.
Je suis à C14. Oh. J'ai trouvé une 416. Une HK. Ah. J'ai trouvé une 416. J'ai perdu. On passe au nouveau jeu. Ok, moi je vais extraire les gars, j'ai trouvé une 416. Ah, j'ai trouvé un SV, je extrais direct. C'est un SV? C'est quoi, c'est un sniper? Ouais, un SV98, ouais. D'accord. J'extrais direct. Montrez-moi DNL. Moi je loot encore, y'a plus rien. Ouais ouais, mais loot hein, mais je suis à B hein, Romain, je sais pas. Ah ouais, t'es dans les tentes. Ouais, ouais, vas-y viens, je suis devant toi. Devant toi là, vers le pick-up. 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 C'est qui là? C'est toi ça, oh, c'est toi ça. Putain, tu m'as foutu, je te. Regarde, regarde, regarde ce que j'ai trouvé. Ouais, je vois, mais regarde ce que j'ai trouvé. Pick-up. Ah, laisse tomber, reste où t'es. Je suis à B 12. Laisse où t'es, reste où t'es. Et derrière tout là. Ok. Moitre-moi, tiens-né. Vas-y, viens, me vise pas, me vise pas. Regarde Alexis mon arme. Ça vend là ça. Ah, je putain, je suis content, moi j'ai trouvé une HK. Gros, y a pas de question qu'on meure, hein, je vous préviens. Ok, on va mourir. Attends, je peux tirer pour voir ou pas? Quand on sera à l'extraction. Non. Ackerman. L'extraction, mais pas maintenant. T'as envie qu'on se fasse fumer ou quoi? Bah faut voir ce qu'il nous reste à acheter Alexis, on fait un bilan et on voit combien de mois il nous reste. Je pense 3 quand même. Si on compte 200 euros par mois à peu près. Ouais. Parce que là soit bah, il reste toutes les poches qui vont sur T'es sûr je la vends Alexis? Bah bien. Ah bah Carman, le snipe sur ce truc, peut-être t'as du mal avec les armes normales. Ça va être compliqué avec ça, hein, je te le dis. Ouais, mais si je fais mon salaud comme eux. Non, mais. Bah, pour farm, c'est bien. Même en PMC, j'attends un endroit, j'attends qu'il passe. Franchement, tu vas te faire chier, hein. Moi je te le dis, moi je déteste ça. Hein. Oh, mais je dis ça, je me promets à vouloir faire arracher quand je fais ça. Donc, Putain, y'a pas Romain. De. Romain. Bon, et ben on se tire à l'extraction, les gars. Y'a plus rien. Derrière toi! C'est qui? C'est... Quoi? Oh, oh, du calme, hein. Je suis sûr que t'es mort, Romain. Non, il est pas mort. Il a failli, hein. Et puis d'abord qu'il y a rien aux alentours, Romain, avant le loot, hein, parce que... Ah ouais, excusez-moi. Je me suis jeté sur le corps. Et vas-y, hein, mais... Allez, on se tire. Qu'est-ce que de pompier? C'est ridicule. Effectivement. Vous avez trouvé bien la vidéo du coup, un petit peu rigolo quoi. Moi je t'ai dit, bah, Mysteria t'a dit. C'est quoi pour ta maman? Ouais. Bah écoute, tant mieux. Hein. T'as dit quoi t'as accueilli? Du coup, ça fait un bonnet en plus. Hein. Après, qui c'est? Quand c'est? M'en fous. Pourtant, j'ai rien demandé. Hein. Mais d'accord pour la soif, Thomas? Non, je veux pas. Qu'elle vient de parler, qu'elle voit qui on est. Tu dis, ils ont prévu de péter la gueule à un mec s'il fume pour te dire tellement ils sont street. Tu sais qu'elle a peur que j'aille PGB juste pour rapport à ça. Hein. De quoi? Elle a peur que quoi? Que j'aille PGB pour rapport à ça. Elle a peur de me lâcher du lest du coup. De la fumette et tout? Ouais, ouais. Eh ben tu bah putain bah tu peux tu peux lui dire qu'avec moi ouais non, mais je lui dis bon, je lui dis ce qui te concernait et tout, c'est ça qui l'a rassuré entre guillemets hein, mais... Ah alors là moi je suis un chieur première sur la clope et je t'en parle même pas de la drogue hein. Exactement. Oh putain, là dessus c'est pas avec moi que vous allez booster. Wow. Votre santé, ça a explosé là. Bah ouais, mais c'est ouais, tu peux lui dire c'est pas avec moi que vous allez booster votre santé, ça je te le garantis hein. Et on est en début de SCAF quand même, on a 33 minutes hein. C'était une toute nouvelle map qu'on avait. On avait les GSK et les gros snipes. Parce que les mecs ils tombent dessus, ils les prennent direct. À la limite ils mettent une. Bah évidemment, c'est une HK.
C'est une HK, gros. C'est rare, hein, quand même. Bah, une SV, pareil. Sur lab que tu trouves. Ouais, SV, non, moins rare, quand même, tu sauras. Ah ouais, t'en as déjà trouvé, toi? Ouais, sur des maps comme ça, ouais. Mais l'HK, c'est la première fois. T'as vu tous les scaves que j'ai fait, moi? C'est la première fois que l'HK, je la trouve. Bah ouais. Mais c'est pas toi qui trouvais des M4 avant? Si, des M4, ouais. Mais pas des HK. J'ai jamais tombé sur une M4. J'ai jamais tombé sur une bonne arme. Que des armes à 12 000. Là, tu vois, là, ce que je viens de loot, là, le SV, là. Bah, pour moi, c'est considéré comme la meilleure arme que j'ai loot. Ouais. Vas-y, tire avec ton SV. C'est pas avec le fusil à pompe, c'était avec le SV. Hein? Donc voilà, les amis, vous savez comment farm. Il vous suffit de prendre un scav, de looter tout ce que vous pouvez et de vous casser. Vous cassez, vous pouvez buter les autres scavs si vous voulez pas trop vous casser les couilles. Ça ne m'appuie plus ici. Là, c'est Tox. De quoi? Là, c'était Tox. Ah, donc, s'il est pas là, il est en train de se faire sodomiser sur un chantier. Il est sur un chantier à cette heure-là, là? Ouais, moi je propose. Je propose. On va faire du escape toute la journée là ou. Un truc de soirée? Je sais pas, on faut voir pourquoi. Non, comme ça. Bah, j'ai voulu faire autre chose. Hein? J'ai voulu faire autre chose. Bon, mais non, mais. J'ai un de repenser à quelque chose donc. Vas-y, dis. Non. Bah, Eddie, Carmen, c'est bon, y'a pas. Oui, non, c'est tranquille, on va faire. Carmen, je vais niquer ta mère. Bah, vas-y. On va faire du R6. Pardon si vous êtes sur le live, madame. C'est pas contre vous. Mais on vous aime. Pas. Ta gueule, Romain. Vous refusez à mon ami de faire du airsoft. Alors, ça. Je vous le pardonnerai. Arrête, gros. Arrête. Voilà, comment qu'on arrive le plat là? Ah, ça. Wow. On achète les fausses plaques aussi, Alexis. Ouais, ça se met c'est en plus. Moi, je les ai mes plaques, donc je m'en fous. T'as des fausses plaques? Non, il en a des vraies, lui, Alexis. Non, mais j'ai des fausses et j'ai des vraies. Ah ouais, bah, ça va, tranquille. Des fausses avec du poids dedans? Ouais. Bah, à part, elles sont des fausses. Bah, j'en ai des fausses en argent. Et j'en ai d'autres en. Bah, je les ai perdus. Hein. Je sais plus où je les ai foutus d'ailleurs. En argent. Ça m'emmerde un peu. Ouais. Pourquoi c'était mon connard de fou qui me les avait offert, franchement. Et là, il est sur le live. Oh, je l'emmerde. Je suis plus sérieux du cul. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, mais non, parce que moi je te parle de fausses plaques en mousse. Je te parle pas des fausses plaques lestées, tu sais, qui font 3 kilos et quelques. Ah, les dog tags ils font pas 3 kilos en général, qu'est-ce que tu racontes? Non, les fausses. Ah, mais pas les plaques militaires, putain. Ah, non, mais j'étais sur les plaques, les dog tags, tu sais. Non, peut-être pas, au moins pour commencer. Non, mais tu sais, des fausses, genre juste de la mousse à l'intérieur, ça coûte 10 balles. Et ça va tenir plus raide. Non, mais pas. Ça va tenir plus raide ton gilet. Bon, ça va, il est raide, hein, perso, j'ai pas besoin de ça. Hein. Ouais, bah après, ça coûte 9€, je crois, un truc comme ça, donc je vais les prendre quand même. Ouais, bah, si tu veux les prendre, vas-y. Hein. Comme je t'ai dit, c'est pas essentiel. Les autres, celles qui ont du poids, là, qui font 3,5 kg, elles sont à 100 quelques euros. Ça va, 3,5 kg, hein, quand même. Hein. Je crois que c'est ça qu'elles font. Carmen, tu peux me montrer Tininé? Tu sais que Steve va sûrement regarder le Mordif. Je sais. C'est ce que je présente. De quoi? Hein? Où sont les filles? Les femmes? De qui tu vas regarder le Mordif? Ah, c'est rien. Ah. Wow. Montre-moi Tininé, ce soir est un jour de paix. Alexis, si je vous conseille de garder de rester sur le casque léger. Le truc c'est qu'il faut les casques, en fait je sais toujours pas trouver un casque qui valait le coup, qui protégeait réellement. 4,5 kg, les plaques.
Ouais, c'est bien. Mais ouais, j'ai pas trouvé un casque qui protégeait vraiment, tu vois. Donc autant pas en prendre. Dans le jeu? Bah, autant pas en prendre, on va dire, on les prend comme truc JVN, c'est comme porte JVN, c'est tout. Ouais, mais dans ce cas-là, on peut prendre les lanières qui fait office de JVN. Les lanières, quelle lanière? Les supports de fixation Ouais, mais principaux. bon. C'est pas très beau. Après, hein, je veux dire, on n'est pas. La guerre, c'est pas fait pour la beau ni rien, tu vois. Oh là, quand même un style, tu sais, quand même. On est sur un jeu, quand même. Allô? Allô? Ça Qu'est-ce qui va? se passe? Ouais, pourquoi? T'es bizarre, toi, des fois. C'est qui a Tu de la peux pas m'abandonner. musique? Tu voulais m'abandonner? Non. D'accord. Bon, on vient de finir un scale, tranquille, j'ai trouvé une HK416, donc bon, ça va. Hein. GG, je suis fière de toi. Elle date combien en thune, les gars? 700 000. 78 000. 700 000? Ah bah tu vois, Romain. 78 000. Tu vois, Romain, que ça avance. Un casque, il me faut un casque, il me faut un casque, casque, casque. Faut pas oublier une housse aussi pour les déplacements. C'est fortement Ok, conseillé. bon, je vais acheter une clé de sortie de l'usine parce qu'il faut que je fasse une quête. Et moi, je vais faire pipi. Laquelle que t'as besoin? Clé de l'usine, clé de sortie de l'usine. Ah, t'as malade. Je pense que je l'ai. Non, je viens de l'acheter. Vas voir comme si je l'ai. Hein. Je pense pas que tu l'as, elle vaut 300 000. J'ai plein de plaies bizarres. C'est quoi cette musique? C'est genre comme. Désolé, je l'éteins. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu l'as pas éteint. Je reviens, les gars. Coucou les enfants. Ah donc là on va au PMC là. Allô? Oui. On va au PMC? Oui. Il faut que j'achète de l'équipement. Oui. Ça va coûter cher. Oui. D'accord. Oui. Oui. Oui.
J'annonce à la prochaine, je prends ma 762. Ah ouais, les mecs, putain, quoi. Avec... JVN. Il faut des JVN. Hein? Il faut des JVN. Ok, je suis là. On retourne en scap, les gars. Ah, j'étais en train de l'acheter des trucs, moi. Ouais, c'est quoi tous ces messages? C'est parce qu'il y a des nouveaux. Il y a des gens qui viennent d'arriver sur le Discord. Toxy, je comprends. Wait, du Airsoft ici. Et... vous êtes sur quel serveur? Quelle région? Hein? Tu n'as pas... Attends. On n'est pas sur... Bon, je comprends rien. Répondez. Attendez, demande-lui déjà d'où il nous a connus parce que c'est un peu compliqué de voir. Je suis airsofter sur Lyon. Vous faites dans la région. Je suis sous pour vous faire avec vous. Bah oui, effectivement, oui. On a Bruno qui est là pour un survey for IVM. Qui va bon, nous en fous. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est passé sur le live qui a entendu parler de ça. Je sais pas du tout. C'est pour ça, c'est un peu compliqué de... parce que les mecs arrivent, nous posent des questions comme ça, mais. D'ailleurs, c'est. Voilà. Ah mais ouais, parce que ouais, en fait Bruno il est passé sur Bruno apparemment il est passé sur le live. Ils sont sur le live là ou bah, Pierre, ils peuvent pas venir dans la discussion un peu. Non bah ouais, mais après on est un peu tranquille ça. Bon, voilà. Mais après oui on fait du 5M. Non mais parce qu'en fait Bruno il est passé sur le serveur le regarde Asté. Ah oh, putain comment ça s'appelle? Le Liberty City, tu sais, sur notre ancien Discord. Bah oui, mais il fait du PS4. Il joue sur PS4. Il joue sur PS4. Oui. Ah ouais, non, mais enfin, il va même sur PS4, ça n'existe pas, les gars. Si, ça existe, on fait même sur PS4. Non. Sur PC, j'aime pas trop sur PS4. Il cherche sur PC. Dis-lui actuellement que, bah, on n'a pas en... On n'a pas actuellement de serveur, mais que justement on attend de terminer de tous télécharger nos GTA, sauf de moi, et qu'on va en trouver un quoi. Qu'on va en trouver un pour faire un club de bikers. Exactly. Bon, et ben du coup bah, on est reparti, désolé pour cette interruption, mais J'ai un problème avec ma souris là. Disons qu'on manque de staff actuellement dans le jeu, sur Raptor Gaming, donc c'est tout nous qui faisons. Allez, à midi, du coup. Je vous attends, les gars. Ouais, faites directement. D'accord, ma puce. Vas-y. Merde le con. Je suis prêt. Il me restera juste des chargeurs d'M4 à acheter. Scav suivant. Changeur à 12h. Ouais. Bien du airsoft du coup sur la. Donc du coup. Dans Raptor Gaming, hein, il y aura bien du airsoft. C'est quand même un gros projet qu'on a mis en place. Ça demande une participation financière de la part de nos membres. Hein. Mais ça va être sympathique, je pense.
Des musiques de base qui ont été modifiées avec CC du copyright? Non, je sais pas. Modifiées. Mais vas-y, amène-toi, Kaman. Mais je sais pas. Mais ne mets pas le bot, s'il te plaît. De toute façon, moi, il est mute, donc je l'entendrai pas. On va éviter de choquer notre jeune public avec des musiques disant je te pète le fion. Parce qu'après, leur maman va venir nous voir sur le live, nous dire excusez-moi, mais mon fils m'a proposé de me péter le fion. Ah! C'est pas la faute à Ackerman, c'est faux. C'est pas de notre faute, madame. Je vais le rajouter, tu sais. Je pense que je vais vraiment le rajouter, le Peggy 18. Ben non, c'est bon. Faut même plus parler péter le fion, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. C'est... Voilà. Alors, pour les jeunes qui nous regardent, péter le fion, c'est quoi? Il n'y a pas de jeunes qui nous regardent, on a 4 spectateurs. Tais-toi, c'est cassé en fait un oignon en plusieurs morceaux, voilà, donc on appelle ça un fion. Ah oui, une rondelle, moi j'aurais plus dit une rondelle. C'est faire péter la rondelle. Ouais, bah tu vas me dire, quoi que les jeunes d'aujourd'hui, maintenant, ils savent tout. Donc... Oui, franchement, sur Internet, tu trouves de tout. Hein. C'est clair. Bonjour YouPorn. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a? Ça s'embrouille? Ça s'embrouille, Romain? Parce que maman a rapport, moi, elle m'a fait peur quand elle gueule, hein, je vous le dis. Non, non, pour l'instant, c'est... Et pourtant, c'est... moi, elle me tuera pas, hein, parce qu'elle a besoin de moi sexuellement. Mais elle fait quand même peur. Toxi, je me demande comment il a su qu'on faisait de l'airsoft. Ah, elle a peut-être vu la publication sur... voilà. Après, on a fait tellement de la pub de ça, donc... Non, on n'a pas fait tellement de pubs que ça. On en fait plus Facebook, pour Facebook, Twitter, pour... hein. Je suis à l'usine, il y en a un qui marche vers l'usine, non, là j'ai pas. Non, encore pas encore, je suis pas au spawn encore. Alors, j'ai un mozing, si jamais. Bah, tire, tu verras bien. J'ai une AK, tu sais, style snipe. Bagarre. En fait, j'ai l'impression que le gars, il pense qu'on a un serveur 5M. Parce qu'il me dit, est-ce qu'on peut jouer ou ça se passe comment? C'est comme si... Il doit penser que nous, on a un serveur 5M. C'est pour ça que je suis juste en train de dire que non, toi, on n'a pas un serveur en tant que tel. Tu dis non, tu dis actuellement, avant, tu... Bah, tu... Ouais, ça te dérange pas, hein. Mais tu lui expliques, tu dis non, avant, on disposait d'un serveur 5M. Mais depuis, non, on n'en a plus. Tu prends son gilet, celui qui est devant moi, là, qui est voisine. Oh putain, il avait 15 000 rounds, vas-y, je te laisse. Attends, vous avez tué un mec avec un mozing là? Non, avec un SKS. Ah ouais, il avait une cagoule, attends. Cagoule comment ici? Ghost. Ah ok. T'as fouillé tout le reste ici? Ouais. Ah parce que je suis pas sûr que ce soit un mozing que j'ai mis à SKS, mais je sais pas. Moi, trop en fait, je connais pas. Et j'avais une cagoule, ouais. Mais je suis pas mort, hein. Bah, c'est pas toi. Je suis en spawn. Bah, non, ah, mais ça se trouve, le personnage. Ah non, c'est bon, il est là. J'ai une morphine. Quelqu'un a encore besoin des HDD? Il y en a un, ça atteint, attendez. Ah, il y a un véhicule là. Il est allumé en plus. C'est quoi, c'est tu leur dis au pire qu'ils passent sur le live, ils nous mettent des questions et on leur répond directement en live. Parce que c'est. C'est peut-être des questions que les gens se posent. C'est galère de leur répondre directement comme ça en fait. Qu'on puisse expliquer peut-être en jouant en même temps le principe du airsoft. J'ai la clé 203. Ça doit pas coûter cher mais. Je crois que 203 elle est pas. Vous avez tout rapide. On va faire un passe-partout je crois, tu sais, y'a un mec qui va scoltiner toutes les clés. Y'en a un qui a grappillé toutes les tout le corps ou pas? Ouais. Il est vide, la poêle. Bah on va dire que je ressemble plus à un insurgé avec mon équipe forme. Bah, c'est pas grave, on reste. Je vais m'abstenir de dire ce que je veux penser, mais on recherche toujours des gens à qui tirer dessus. J'ai un 4. Wow. Une veste américaine pré-guerre froide. La guerre froide, ouais, par contre, on est un peu plus moderne, nous, hein, quand même. Un tout petit peu. De quoi, sur quoi, où, quand? Je sais pas c'est qui que je suis avec un bonnet, mais moi, je suis. Un bonnet.
Après, ils sont libres de faire une. En fait, le mieux à ce stade, c'est faudrait qu'ils fassent une postulation pour le groupe Airsoft. Et que voilà quoi. Qu'on les mette dans le channel, etc. Qu'ils voient avancer et tout ça. Mais tant qu'il n'y a pas de postulation, je mets pas les trois channels. Vous êtes parti vers où? Oh, c'est quoi ça? Est-ce que tu es prêt, Romain, à avoir notre propre association de Airsoft? Oui, je suis prête. Ok, alors déjà tu vas réviser ta conjugaison et tes accords. Ouais. Salut Toxi. Attends, je vais lire du coup Alexis. Non mais t'inquiète, je m'occupe, j'ai... Vous êtes sorti de l'usine ou quoi? Moi je suis toujours dans l'usine en fait, je vous attends depuis 15 minutes. Bah, moi aussi je suis dans l'usine. Bah sortez, voilà, bonjour. C'est qui là? Ouais, okay. C'est moi. Dit-il avec le canon dans ma bouche? Ouais. Fous le flingue de me... Fous le canon de mon flingue dans ta bouche. Il faut penser à Gordon Sopkin. Qui? Là faut que je te montre un truc dans South Park. J'ai peur. Hein. Et toi t'es... Ouais, il y a South Park, j'ai peur. Ah du coup c'est quoi que j'ai comme arme? C'est ta mère. C'est un Mosin. Mais ouais, donc je disais, ouais, parce que faudrait, tu sais, je veux dire, il y a des mecs par exemple comme Nash, tu sais, qui faisaient du airsoft, des trucs du genre. Voir avec lui s'il serait intéressé pour faire ça, quoi. Oh non, mais attends, Nash, on le voit jamais. Ah, mais parce que c'est un projet sur le jeu, ouais, mais après, il a un caractère de cochon, Nash, hein, mais bon. C'était un bon élément, hein, quand il était là. Quand il était là. Ouais, après, voilà, il a pété un câble parce que. Ouais, il y avait une opus, je crois, ça. Je sais pas ce qui s'était passé. En tout cas, c'était pas de ma faute qu'on le voit. Si, je crois que c'est parce que ouais, avec toi, il suivait pas assez et que ils étaient obligés de lui dire allez, je vois, viens là. Et du coup, au bout d'un moment, il a dit oh, vous cassez les couilles. Ah, c'est que c'est dynamique chez Raptor Gaming, hein. Faut réfléchir vite. Hein. C'est voilà, hein, c'est tout ça. Donc les personnes qui veulent poser des questions dans le chat, hein, vous n'hésitez pas, on vous répond directement comme ça. Ça nous permet de ne pas avoir à faire 10 000 retours d'écran pour pouvoir vous répondre. Mais du coup, on récapitule. Donc, ouais, il y a bien un projet Airsoft en place. Actuellement, on a un projet Arma 3, bien évidemment. Pour voilà. Le projet Airsoft, il sera aux alentours de Lyon. Donc, c'est quoi les infos à savoir pour l'Airsoft? On m'a dit de venir ici pour vous demander. Alors, donc comme je disais, l'Airsoft, il sera aux alentours de Lyon. D'accord? Dans une machine. Donc, on va créer notre propre association d'Airsoft avec des membres officiels, etc. Enfin, on vous expliquera tout le principe un peu plus tard parce qu'il faut encore qu'on mette tout sur papier. On va dire qu'on a la chance d'avoir une très belle secrétaire qui nous fait tous nos papiers. Il met quelques bonnets là. Formalité médicale, etc. Donc les informations, c'est que voilà, on essaie de reconstituer une unité mythique de l'armée américaine qui est en la Delta Force. Donc bon, ça serait bien d'avoir un équipement qui sera similaire à ça, au minimum du Multicam, pour ceux qui nous rejoindront pour la plus tard et qui ont déjà de l'équipement. Pour ceux qui veulent se lancer dans du Airsoft, moi ce que je vous conseille, c'est directement faire comme nous, acheter l'équipement comme nous, quoi. Acheter l'équipement comme nous, ça, voilà. Parce que, ouais, ça fait un joli style. Bon, ça c'est sûr, c'est un certain budget pour la même occasion. Alors nous, ce qu'on s'est fixé, c'est qu'on fait des tranches de 200 euros par mois à peu près. Pour éviter d'avoir des trop grosses sommes à payer. Sinon, quoi d'autre à savoir? Ben, voilà, comme j'ai dit, donc après il y aura la location de terrain, etc. pour reconstituer diverses opérations qui s'étant passées dans la réalité qu'on remettra au goût du Airsoft. C'est un peu le projet. Et bien évidemment des entraînements, des trucs du genre, on abordera plusieurs phases théoriques comme le CQB et tout ça, sachant qu'on dispose d'anciens militaires parmi nous. D'anciens militaires, on va dire, de bons régiments, hein, pas du RI. donc voilà, on peut se permettre de faire des petites formations comme ça, des trucs du genre. On va aborder plusieurs phases pendant le Airsoft aussi, on veut vraiment mêler ambiance Airsoft simulation, donc c'est-à-dire une ambiance survie, une ambiance machinée, donc partir des fois sur 48 heures en immersion, avec ration militaire, des trucs du genre. C'est tous des projets qu'on veut mettre à terme au sein de... Bah, ça sera pas Raptor Gaming, parce que Raptor Gaming, c'est notre association de gaming. Ça sera Raptor Airsoft. Donc là, qui sera justement l'association de Airsoft. En soi, si tu vois Border Wars, c'est dans le même style. Tu vois ce qu'on disait au niveau des 48 heures et tout ça.
Alors c'est ça. Voilà, c'est ça, ouais. Bien évidemment, il y a la participation à événements actifs comme l'OP Lafayette, etc. qu'on peut mettre en place. Bien évidemment, avec notre équipe à nous. Donc de participer à ces OP. Participer, le grand projet, ça serait de participer à Border War d'ici un an, voire deux ans. Mais encore une fois, voilà, comme je dirais, c'est tous des projets qui vont demander quand même, déjà, de part de l'argent, et d'une autre part, de l'investissement personnel. Donc, qu'est-ce qu'on en parle d'investissement personnel? D'être présent pour l'équipe, voilà, de vraiment avoir un esprit d'équipe. Pour les personnes qui nous accompagneront, qui seront, on va dire, tu peux le dire quand tu tiens en cul, qui seront à nos côtés, ce sont des personnes qui... Bah, où on signe, bah, il faut, on va dire, je pense qu'on donnera une date de rendez-vous, on pourra présenter plus globalement dans un channel, où on aura fait le briefing, on aura mis tout ça sur papier, parce que je vous dis, il y a tellement d'idées, il y a tellement de trucs, c'est encore brouillon, que là, on n'est pas encore, on va dire, totalement prêt, entre guillemets. Voilà, là on commence déjà à acheter l'équipement pour les personnes, comme j'ai dit, qui vont m'accompagner, qui seront des membres quand même, qui sont dans le rapport gaming depuis minimum un an, deux ans. Vous me laissez le deux ans, la plupart. D'autres qui sont de là depuis 7 ans. Voilà, pour être capable de vous organiser tous ces événements. Et puis, ben, je veux dire, voilà, faut encore qu'on dépose l'association, etc. Il y aura une cotisation mensuelle, hein, faut pas se leurrer, les gars. Faut savoir que derrière, il y a des personnes quand même qui vont quand même avoir besoin de documents officiels ou des trucs du genre. Donc voilà. Après, c'est une cotisation mensuelle, c'est quoi, c'est 10 euros, hein, ça va pas être plus mais cher. Mais on a qu'à 200 euros. Non, ça va être 10 euros, ça servira à louer les terrains, les trucs du genre. Enfin, c'est voilà. Et bien évidemment, et au fil à terme, pourquoi pas dans 5 ans se voir avec carrément nos propres terrains, organiser nos propres stages, que ça soit, comme j'ai dit, on va dire, on a pas mal de variété au sein de notre équipe. On a des mecs du BTP, on a des mecs qui sont capables de faire de la survie, on a des mecs qui seront capables de faire pas mal de choses, quoi, je veux dire. Ouais, voilà, c'est ça en fait. On vient tous d'un domaine civil ou militaire pour la plupart, donc on a tous une spécialité différente, on va dire. Il y en a d'autres qui ont travaillé soit dans le bâtiment, d'autres qui ont été directement militaires et qui vont savoir, on va dire, des techniques de combat, des trucs du genre pour produire un gameplay réaliste. Et puis voilà, ouais. 150 euros et un seul coup, et ça faisait trouver pas mal. Je trouve. Maloudeur. Bah voilà, bah oui, bah 150 euros, moi je trouve que c'est beaucoup de demander comme ça d'un seul coup. C'est pour ça que moi je préfère mettre en place une cotisation mensuelle, que comme ça, bah, je veux dire, 10 euros mensuels, ça représente quoi, honnêtement? C'est pas grand chose. Je veux dire, voilà. Alors que si on vous demande tout d'un coup, vous devez sortir 150 euros pour participer, là, c'est plus cher. Ça, c'est moi je trouve que c'est plus embêtant. Après, peut-être. Et surtout s'il y a des mois où t'as pas envie de participer, bah voilà quoi. Oui, t'es pas obligé de payer. C'est vers où, Alexis? Je suis vers le cadavre, je suis un peu plus en avant vers la sortie. Et donc je disais voilà, alors 150 euros, donc non. Il y aura, en fait, je pense qu'on va proposer les deux solutions. Soit on fait du mensuel, c'est-à-dire les personnes auront le choix entre faire du mensuel, du trimestriel ou de l'annuel. Voilà. Comme ça au moins, ça s'accorde à tout le monde. On pourra pas faire semaine par semaine, hein, parce que là c'est pas possible, hein, ça va être trop chiant au niveau de la comptabilité. Je vais pas insister. Moi sinon j'ai une nouvelle comptable. Hein. Ah, moi je suis rendu comptable. En fait, toi t'es. D'accord. Donc en fait, c'est que la madame a beaucoup d'expérience. Oui, bah oui, on est combien, sauf que ta maman, voilà. C'est... Ouais, c'est vrai. Bon, après, il faut qu'elle soit intéressée par le projet. Hein. Pourquoi mais pas. On s'en fout, je vais pas se faire payer. Et va le faire comme ça. Moi, je la paye en liquide. Mais. non, désolé, madame. Mais du coup, je disais. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais, ouais, voilà, donc au niveau de ça, ben, Astaria, elle qui est pas du style à se faire tirer dessus, qui aime pas forcément, mais qui a une grande connaissance dans la gestion administrative, parce que là, madame est quand même, voilà, enfin, on va pas étaler ta vie privée, mais a l'habitude de mettre en place pas mal de projets. C'est elle qui va être notre appui principal sur le projet Airsoft, qui va justement s'occuper de vous faire signer tous les papiers pour les frais médicaux, enfin pas les frais médicaux, pour les assurances ou les trucs du genre. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites des trucs comme ça, vous n'êtes pas à l'abri de vous péter une jambe, vous n'êtes pas à l'abri de vous prendre une balle dans la dent, que ça vous fasse sauter la dent. Donc voilà. Alors du coup, dernière question, après je vous laisse finir l'explication. Si vous avez moyen, nous empêche de payer la tenue que vous considérez l'important, quelle est la solution que vous proposez? J'ai pas compris, attends.
S'il nos moyens. Il dit s'il n'a pas les moyens de se payer la même tenue que vous, quelle est la solution? Alors, au niveau des moyens, bah, moi, ce que je propose, c'est nous, on a payé, on va dire, une tenue qui est quand même de génération 2. Donc, ça veut dire que c'est une tenue qui est quand même, au niveau, je veux dire, qui peut coûter un peu cher. C'est-à-dire qu'on a direct, par exemple, sur le pantalon, je vais prendre l'exemple, on a directement les protèges genoux intégrés dessus. On n'est pas obligé de faire comme ça. À la rigueur, ce que je voudrais, voilà, c'est un style qui fasse américain, mais pas forcément, voilà, multicam, ça serait bien. Et si la personne n'a pas les moyens de le payer, ben, c'est simple, elle prend contact avec le staff et nous, on va essayer, elle va nous dire son budget et nous, on va essayer de constituer un équipement qui sera raisonnable pour lui et s'assurer qu'il manque de rien. C'est, on s'engage à ça. Mais après, faut pas se leurrer, il y a quand même des coups. Le gars, il dit, moi, j'ai pas un sou, trouvez-moi un équipement. Non, voilà, ça sera pas possible. Ça sera pas possible. Dans l'avenir, effectivement, c'est un but qu'on a aussi. C'est plus on aura de monde, plus on aura de trucs comme ça. Si on arrive à participer à de l'événementiel, si on arrive à se faire sponsor par des marques ou des trucs du genre, finir par avoir de l'équipement gratos, etc. Et en faire profiter les membres plus nécessités de ça. Oui, mais c'est dans l'avenir. Dans l'avenir, c'est pas là, c'est pas la semaine prochaine. Maintenant, c'est un jeune projet. C'est un jeune projet qui est là, qui est en place. Mais il y a rien. Enfin, il y a du concret, mais c'est encore, comme j'ai dit, c'est encore à brouillon. On va pas pelleter les nuages tout de suite. Pour l'instant, ça va être de l'amusement, ça va être des trucs du genre. Et comme j'ai dit, moi, ce que je veux partir, c'est sur un projet après un peu plus professionnel et vraiment peut-être lancer, participer. Parce que l'airsoft, faut savoir que c'est un sport, d'accord? Il est reconnu comme étant un sport. Donc, lancer une discipline là-dedans, ça peut être aussi une solution. Comme je vous ai dit, il y a tellement de projets, il y a tellement de possibilités qu'à exploiter. Il suffit juste d'avoir les bonnes personnes et les exploiter. Voilà, donc au niveau de la tenue, bon, pour récapituler, parce qu'on parle beaucoup, bah, comme j'ai dit, nous on s'engage, faut que la personne, je pense, nous donne un budget, voilà, nous dise, bah, moi j'ai tant de trucs à mettre, et là on essayera de lui trouver une tenue confortable pour pouvoir faire de l'airsoft. Parce qu'à savoir que quand même, il faut quand même que vous ayez quand même des vêtements assez adéquats ou des trucs du genre, parce que je veux dire, si vous êtes dans un vêtement de merde et que vous passez 48 heures dedans, je peux vous dire, ça va être pénible. Qui gratte. Voilà, des trucs du genre qui sont faits en mauvaise matière, qui sont faits ou des trucs du genre. Donc, comme j'ai dit, le mieux, c'est de la personne nous dit, bah voilà, moi j'ai un budget de 800 euros. Est-ce qu'il y a possibilité de l'étaler sur 4 mois et de me trouver un équipement comme ça? Et là, bah, bien évidemment, on partira sur des répliques qui sont moins chères. Mais je pense que tout est possible. Il suffit juste d'avoir de l'huile de coude et de s'entraîner. Toi, tu disais, t'avais une M4. Bah, une M4, ça peut limite faire l'affaire. Ah, les cadres, la M4, ça peut faire l'affaire. C'est une arme US, ça peut faire l'affaire. Faut pas oublier aussi que c'est 18 ans et plus. Oui, c'est 18 ans et plus. Malheureusement, on n'a pas vraiment le choix. S'il fait déjà de l'airsoft, à mon avis, il doit avoir plus de 18 ans. Je sais pas, il y en a plus jeunes qui en font des fois, mais nous, pour nous protéger, pour protéger tout le monde, c'est 18 ans et plus. Sachant que c'est comme j'ai dit, ça va être un airsoft ambiance simulation, donc on va vraiment, on va dire, se glisser, pas, enfin, faut pas confondre, on se prend pas pour des commandos, je vous rassure encore une fois, on est très loin d'un niveau comme ça, mais on veut essayer de se glisser dans la peau d'un petit peu ces personnes-là qui font quand même des choses qui sont difficiles et qui sont assez extraordinaires, quoi. Donc voilà. Je veux dire, on veut aborder les phases de rappel, des trucs du genre, quoi. Apprendre des trucs comme ça. Apprendre à faire un nœud 8. Bon, normalement, logiquement, tous ceux qui ont été à l'école doivent savoir le faire. Après, le problème, c'est que. Ah, ça va, il y a 20 ans. Voilà, c'est un vieux. Ça va. Un vieux. C'est toi, toi. C'est toi. Mais voilà. Mais j'espère qu'on a, en tout cas, on a répondu à tes questions. Au niveau de ça. Après, comme je dis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Encore une fois, là, on vous fait venir sur le live, parce que bah, comme ça, au moins, ça vous fait découvrir le live en même temps. Et deuxièmement, on vous fait... Et puis, comme ça, ça nous évite de faire 36 000 retours d'écran, parce que c'est relou. Eh bah, ben, dis donc, ça fatigue de parler comme ça. Hein. Une pipelette. Ah, moi je suis pas habitué à faire des discours. Donc voilà quoi. Tu parles tout le temps. Et bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, messieurs? D'accord. C'est assez. Les dames, elles ne répondent plus.
D'ailleurs, j'en profite pour dire que je comprends rien au jeu que vous jouez MDR. Escape from Tarkov, tu connais pas? Ah, bah c'est pas... buter des Russes. Escape from Tarkov, c'est un jeu en fait où tu... C'est un post-apocalyptique, donc, c'est-à-dire il y a eu une guerre à Tarkov. Et donc il n'y a plus d'autorité locale dans la zone, etc. Et tous les survivants sont dispersés. Tu as deux camps, tu as les USEC, les BIR. Les BIR sont des Ruskov, les USEC sont des Américains, membres du PMC. PMC, c'est Private Military Corporation. Et le but étant de partir sur le terrain, de trouver le plus de stuff possible, de le ramener pour pouvoir soit le vendre, soit le garder, tuer des autres PMC, des trucs du genre. Je te conseille de... Bah, on a d'autres vidéos hein, sur la chaîne YouTube. Je te conseille de peut-être regarder ou des trucs du genre. Des fois on se fight, des fois on fait des missions. Voilà, il y a des quêtes, il y a des trucs du genre, c'est voilà. Là pour l'instant en fait on est en train de faire un gameplay qui est un peu chiant, c'est farmer. On récupère du stuff et on essaye de le vendre. Mais c'est comme ça. On a rien sans rien. On essaye de... Tu vois, Romain il a pas assez d'argent, il a besoin de ses parents raptor pour l'aider à être plus riche. 667 000. Oh. C'est 2,6 millions. Oh. Quoi? C'est vrai qu'elle t'a niqué, Romain. Mais c'est pas la première fois qu'elle te nique sur les jeux, quand même. Ça fait mal. Mais c'est la prochaine fois, on mettra plus de vaseline. Elle est toute belle. D'être mission vers moi, mais on est vers moi. Ah, va manger un pancake. Pourquoi manger un pancake? Parce que je pourrais bien te dire d'aller manger de la merde, mais c'est poli. C'est pas la première fois que tu me le dirais. C'est pas la première fois que je suis impoli. Quoi, moi j'ai le droit pour, de pour le moment, raptor. En airsoft, on va dire que le dernier truc là, ce qu'on recherche, c'est des personnes qui sont prêtes à se lancer dans cette aventure avec nous. Déjà. Et des personnes sérieuses. Ouais, parce que le poste de clown a déjà été pris par un main, donc. Désolé, les gars. Excuse-toi encore. Romain, on voit plus le live apparemment. Ah. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait du caca. Bah, moi je le vois. Normalement. Bah je sais pas ce que lui il a dit, on voit plus le live, il a dit. Actualise, mais moi je le vois. C'est bon, je l'ai remis, normalement. Mais j'ai dû faire du caca. Never mind. Putain, c'est pas toi, Kakaman. Ah! C'est quand j'appuie sur 4 du pavé numérique, ok. Ça sera changé, ça. Arrête d'appuyer sur 4 Ah, et 3, ça fait tu peux ça. Tu peux te renseigner sur, sur une quête. Ouais. Désolé, hein, le live. Oui. Il faut que je trouve comment sortir de l'usine, en fait. Il y a 3 sorties de l'usine et je trouve pas la troisième. Pas payant, pas trop bien. Bah non, il n'y a aucune sortie payante sur Origin. Mais tu le sais pas, t'as trouves pas. Bon, la blonde. Hmm? Je vais te la faire claire. Quoi? Je vais bouffer la chatte. On est en live, hein. Faut savoir faire plaisir à vos copines, les gars. Hmm. Premier poste que je tombe, tu sais, sur un forum, je fais ma recherche. Le mec, il dit, ouais, il dit, je loot en PVE, en offline, en PVE, et à chaque fois que je fais quitter, ben, je pars tout mon loot. À savoir qu'en offline, tu gardes pas ton loot. Ce serait trop facile. C'est... Les gens, des fois, hein. On dit qu'on repart. Mais c'est quoi le nom de ta mission Putain, je te dis ça, attends, je me planque. Ah bah je suis. T'es mort? Il y en a qui m'a dit bon appétit. Mauvaise réputation. Bonjour Kenko. Salut Kenko, ça va? Je pense que je l'ai trouvé. Est-ce que ça se peut que ce soit mauvaise réputation fondée?
Ça doit... Attends, je te dis ça. Non, trouver le boîtier sécurité, accéder à la pièce. Je me suis fait fumer, mais attends, je te dis la quête. Quitter la zone de douane. Non, ça part. Quête, c'est. Attends, bah non, merde, putain. Pièce à la... Tu sais qu'il y a une clé de sortie de l'usine. C'est éclaireur. Éclaireur. Ouais, je l'ai acheté. 300 000. Ouais, écoute, nous, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. C'est un peu le calme plan en ce moment, mais bon, ça va. Si c'est des gens qui game, ils peuvent toujours venir nous rejoindre et gamer avec nous. Hein. Ouais, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, les gars. Enfin, il y en a certains qui sont déjà sur ça. Mais Keiko, hein, si ça t'intéresse. Je sais pas si t'es déjà sur le Discord. Keiko, c'est pas Massimo. Je suis sûr que c'est Massimo. C'est Massimo, je sais ça. Donc, trouver un moyen de sortir de l'usine. Hein, ah, au revoir Bruno, c'est tiré. Ouais, c'est parti tantôt. Ah, il est parti Bruno. Il est tout ouais. Bisous. Hein. Il est quitté, quitté, bye bye. Bon. Non. Tech, tech, tech. Du coup. Ouais, donc du coup, t'as trouvé ma puce? Mais c'est ce qu'elle cherche là. Apparemment, c'est pas Massimo. Après, c'est vraiment, j'ai l'impression que t'es Massimo, mais après. Après, Massimo, c'est un gros menteur, hein, donc. Ouais, c'est ça. C'est un gros mytho, le mec. Non, c'est pas Massimo. Je vous jure que c'est pas Massimo. Il est c'est pas qui, trop gourmand, le jeu. Car en vrai, j'hésite à le prendre. Moi, je trouve que ça va. Ça va, hein. Franchement, ça va. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup et que j'ai fait découvrir à Papa Raptor. Effectivement, ouais. Heureusement que j'ai une maman Raptor, moi. Après, tout dépend le PC que t'as, quoi. Mais c'est sûr que si tu roules sur un Pentium 2, tu vas avoir du mal. Ça, c'est sûr. j'ai un petit peu de mal, tu sais, avec les cartes. Mais normalement, je pense que c'est les points rouges. Tu vois les trois points. Ah, tu me l'as envoyé, c'est toi qui m'as envoyé. Ben oui. D'accord. J'ai dit, il y a une meuf, elle m'envoie des messages, tu sais. Eh oh! Quoi? Commence pas tes conneries. D'accord. Trouver un moyen de sortir. Tu savais ce que je lui fais? Tu sais, je vais t'envoyer la page au complet, puis tu liras, puis. Tiens. Tiens, gars, c'est ta quête. Bonjour, bonjour, ça va très bien, vous? Ah bah, c'est pas super si ce Massimo, il est un menteur. Il dit que je peux le faire tourner en... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est Massimo, c'est un point bon. Que je peux le faire tourner en max. C'est un menteur, Massimo. Ah bah, c'est pas super si ce Massimo est un menteur. C'est quoi qu'a dit au... C'est un gros bâtard, Massimo, en fait. En plus, c'est le mec, il est super poilu, c'est un portugais. J'ai dû couper mon jeu, ça crash. Génial. Il fait un retour d'écran. Alors, ça prend un meilleur ordi que Papa Raptor parce qu'il crash. Non, c'est parce que j'ai fait un retour d'écran. Va te faire raster. Qui m'a dit quoi? Massimo, c'est grillé. C'est Massimo, t'es un bâtard. T'es passé où, Massimo? On voit plus. Va chier, Massimo. Merci. Je vois plus, il avait plus d'énergie avec nous, Massimo. Bah oui, c'est moi. Ah, mais voilà, bah, j'en étais sûr. Bah ouais. Oui, mais je l'avais dit que c'était. Modérateur, faites votre travail. Bannez ce mec, il a insulté quelqu'un. Il m'a insulté moi en plus. Gros problème de code. Gros problème de code. T'arrives bien à te connecter sur live, hein. C'est un gros menteur. Bah, t'es un gros menteur, même toi tu viens de le dire. T'as caché sur ta 4G. Ce bâtard, mais ça fait des mois, ça fait un moment que ce compte, ça y est. Ça fait. Ah, je suis pas Massimo, ouais. Oui, en 4G. Bah voilà, bah joue en 4G alors. Je suis sûr que tu peux faire tourner Arma en 4G. Non. T'as pas la fille. Il fera pas partie de l'OP encore une fois. Et bah justement, Massimo, du coup. Bah écoute, Toxi. Eh ben, Toxi, ben, on sait avec plaisir qu'on jouera avec toi. C'est hein. Un micro. Toxi, c'est pas un joueur d'Arma, Toxi? Non. À la base, c'est pas pour Arma qui était sur le Discord. Non, je crois qu'il est venu parce qu'il a vu l'air sale. Les deux, ils ont rejoint quasiment au même moment, je crois. Non, je me souviens. Toxi, ben, il était venu avec. Avec Fantôme et tout, oui. Ah, t'as Arma, Toxi? Ouais, c'est ça, il est venu avec Fantôme et tout, lui. Il arrive même à plus. Non, non.
Non, non, parce que... Oui, je me souviens que Tox avait dit « Ah, un autre qui a le même nom que moi. » Ah, peut-être. Tu te souviens pas, Tox et Toxy? D'accord. Bon, mais bah, c'était quand qu'il y avait fantôme et tout. Pas la même personne que fantôme, par contre. Alors, un ami m'a invité sur le Discord pour dire à moi, puis voilà, ils ont des pop, tu vois. Ah, ils ont des pop, parce qu'en fait, je pense, en fait, ouais. Pour en venir au sujet, c'est pas dans le cas de fantôme, mais le cas des autres amis, ça devait être... Putain, comment il s'appelait, le mec, là? Ouais, le, ça, ça, voilà. C'était pour dire à moi sur comment? Allô? Allô, voilà. Allô. Et le truc, c'est que, ouais, on va dire qu'ils ont un problème, ils ont eu un petit problème de courtoisie et de respect. Donc, du coup, nous, bah, nous ici, on rigole pas. Là, là-dessus. Mais Toxy, si tu fais du Arma, t'es le bienvenu à l'enfer avec nous. Hein. On a une autre. Ah, oui, oui. T'es le bienvenu actuellement, on est en pleine session de recrutement. Ouais, c'était Blackout, c'est ça. Blackout, voilà. Spartiate, non, il est toujours. Spartiate, il n'y a pas de problème avec lui, il est toujours sur le Discord d'ailleurs. Il n'y a pas de problème, le mec est cool, il n'y a pas eu de problème. Non, non, c'était Blackout, il y avait eu un petit problème. L'un des deux qui... Ouais, c'est Blackout, enfin, c'est Blackout et d'autres personnes, en fait, qui... Voilà, y a un, en grosso modo, il y a un mec qui a fait une faute de grammaire dans le chat quand il a parlé. Justement, c'est ce gros menteur de Kenko. Et, ouais, voilà, c'est Massimo qui est là. C'est Massimo qui est là, qui s'est trompé, qui a mis un C à la place du S. Du S, et il y en a un qui s'est permis de lui faire tu sais pas écrire ou des trucs du genre. Bah, nous, en tant que staff, on a réagi immédiatement. On lui a dit que déjà qu'il avait pas à faire ça ou des trucs du genre. Et bon, ils ont tout de suite réagi. Ils ont réagi mal, voilà, mal au fait qu'on leur a fait le reproche. Et du coup, ben, ils ont commencé à mal parler, des trucs du genre. Donc, on s'est pas entaché de ce genre de personne. On a mis un ban, et puis voilà, c'est tout. Hein. C'est, on va pas se casser les couilles 30 ans. Après, comme on dit, hein, passe sur le Discord et puis enfin, t'as bien un jeu que tu passes, tu viens en vocal, voilà, et puis tout le monde est bienvenu. L'important, en fait, c'est juste d'être respectueux, c'est tout ce qu'on demande. Soyez respectueux, voilà. J'aime les grammaires nazis. Ouais. C'est apparemment, on a dénaturé la langue française, tu sais. Je suis d'accord avec Ackerman. Ouais, moi. T'as vu, mais c'est mort. Si un soir tu t'embêtes, bah Toxy tu passes et puis peut-être faire du Escape ou du Rainbow Six si t'as, Overwatch, Arma, enfin bref, Apex, Battlefield, voilà. Y'a personne qui joue à Battlefield. Non, j'allais dire, mais je m'en... Ouais, voilà, n'hésite pas à passer, même si c'est pour parler, des trucs du genre, pour faire notre connaissance. Et puis, si tu veux plus d'enseignements sur le projet Arma. Airsoft. Donc là, Airsoft, pardon, et le projet Arma pour la même occasion, hein, si au cas où. Arma, Airsoft, PGW. Projet Airsoft, on a combien? On a 6 membres actuellement d'actifs, qui sont, on va dire, qui sont 6 membres dirigeants de ce projet. Où ça existe, donc peu moyen. Sur SWTOR, je comprends. Je sais pas ce que c'est SWTOR. Ouais, moi non plus. J'ai réussi ma quête. Peu moyen pour. Mais il y a Massimo et Ackerman qui se fightent entre eux. Ouais, mais ils rigolent. Hein. Entre la conversation. Non, vous avez juste répondu à la conversation. Star Wars The Old Republic. Ouais, c'est un jeu que moi j'ai pas mal apprécié. Ouais. J'ai eu 2 bitcoins de plus. Oh, t'as fini ta quête? Ouais. Bah, tu vois, ça a bien été. I'm sexy and I know it. Alors, je pense que pour avoir le... Savoir quand le codelier arrive, il me faut tes informations pour ouvrir la session. En fait. Quoi? Il fallait que tu fasses une session pour commander sur le site. T'es suspendu par Apple Gaming pendant 3 secondes. Mais pourquoi tu l'as suspendu et tout? Il s'embrouille, j'aime pas les voir s'énerver. Je te les envoie, ma puce. Que tu comprendras mieux que moi. Je pensais que ça montait. Je peux pas voir vous énerver. 300 secondes. Oh non, pas 300 secondes. Tu peux pas choisir. Non, mais je pensais que je pouvais choisir. Romain, t'es pas mon dos, Romain. Tu veux ta mort. Non, c'est pas grave. On va pas s'énerver. C'est bon. C'est pas grave. C'est 5 minutes quand même. Merde, c'est avec un Z à la fin. 300. Tu peux même pas les enlever. C'est ça qui est chiant. Ouais, bah t'inquiète.
Alors, ça avait qu'un 7 à la fin, ma puce, hein, je me suis bourré. Ok. Ackerman, il est pas content. Ackerman, ça va? Il est énervé. Est-ce que tu veux qu'on te remette pour toi? Lui, pendez-le. Que si c'est pas lui, c'est pète, hein. Sinon, faut pas me pendre. C'est comme toi qui est dans la vidéo. Tu veux venir me faire un câlin? Non. Je vais mettre un poids, je vais sauter. Je vais mettre un poids au fond de ma piscine. Troll modo act... Troll mode activé. En même temps, c'est un raptor. Il est pas mal. Ah non! Ah, tu confonds avec les T-Rex. C'est pas la même chose. Ouais, non. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on irait pas sur Overwatch? Ouais, d'accord, vas-y, va sur Overwatch. T'as Overwatch, Ackerman? Non, non, il y a pas Overwatch. Ouais, je vais te l'acheter parce que ça m'énerve. Ok. Achète-lui. Ackerman, arrête de faire la gueule. Mais il se paye la gueule, il a rien à m'acheter, c'est tout. Tu veux venir me faire un câlin, Ackerman? Ouais, je veux bien. Allez, bien. Papa Raptor. Allons, allons, ça vient, fiston. Anyway, vous m'avez donné envie d'essayer. J'ai déjà pris le jeu. Cool. Eh bah, troll mode activé. En même temps, c'est un raptor. Il voit mal les courbes et les choses immobiles. Mauvais. Ça va, tu viens de rejouer avec nous, au père. Après, si t'es nul, tu vas te faire insulter. Hein. Non. T'es mieux d'avoir du skill. Quoi? C'est pas ça qu'il faut dire aux gens? Non. Ah. En fait, là, ce qu'elle dit pas, ma raptor, c'est que il dit par rapport au lieu et tout là. En général, bon, c'est pas que... Non, je vais me taire. Ça va tomber sur ma gueule, c'est encore. Vendredi, bébé. Vendredi? Ok, nickel. Ça me soulage déjà. Livraison prévu vendredi. Ok. En fait, oui, non, mais t'inquiète. Non, mais en plaisante, hein, quand on te dit t'es nul, tu vas te faire niquer. Non, non. T'inquiète, non, on plaisante pas. Fallait que t'ailles voir sur le site de Parce Canada, en fait. T'avais le numéro de repérage, mais t'avais pas. Après, j'ai pas regardé c'est quoi. Je te jure, j'ai pas regardé c'est quoi. J'ai juste regardé le site. Attends, mais sinon, je te pète les deux jambes. Hein. Non, j'ai pas regardé. Si j'ai joué à Arma, ça passe ou pas? Oui, ça passe. Enfin, ça passe, et voilà, t'inquiète, t'emmerdes pas, t'inquiète pas. Ça devrait être pas super. Hein. J'avais dit qu'un coup c'était Massimo. Mais il disait non, puis nous, je pensais jamais qu'un de mes petits raptors pouvait me mentir comme ça, moi. Ah bon? Bah putain, t'as pas connu Macerson, t'as pas connu. Surtout que Massimo, c'est un de mes petits raptors, tu sais, c'est pas un tueur de tox. Ouais, je crois que c'est le pire, je crois que c'est le pire en plus. J'avais dit, hein. Ah, c'est mes enfants les deux là, tu vois. Ouais, bah Alexis, t'as fait c'est tous tes enfants. Tu fais pas partie des enfants raptors? Ah non, les gars, vous étiez dans mes couilles avant. C'est le tonton. Non, mais pas lui, c'est le tonton. Ah ouais, ouais, bah, ouais, mais après, c'est l'inceste que tu faisais ici parce que tu passes d'enfant raptor à tonton raptor. Donc, t'as pas battu. Il y a des croisements bizarres. Ackerman. Non, mais disons que. Un t'as pas Blizzard ou Battle Eye? Bah oui, il a Blizzard. Mais je l'ai pas en ami. Bah rajoute-le. T'es fatigué? Bizarre. Ah, j'ai fait 2 mois en dormant 3 heures par t'as nuit. Pas non, j'ai masqué. T'inquiète, t'es pas tout seul. Le corps, il... Ouais, je sais. Le corps, il relâche, quoi. Ouais, t'es pas tout seul. Je te dis, j'aurais bien mieux après-demain. T'as pas battu le net? Sérieusement?
C'est juste d'aller te faire un compte, Ackerman, ça prend comme 2 secondes et quoi. Bah, je fais ça. En plus, pourquoi t'as désactivé le lien ? Vous pouvez pas voir tes informations de carte bancaire ? Pourquoi j'ai quoi ? Ah, mais Romain, pourquoi tu désactives le live ? Ah ! C'est quand j'appuie sur une touche, c'est un raccourci, mais c'est relou, faut que je l'enlève. C'est le 4. Je vais dire à Béatrice. Eh, hey, mais qui toi ? Ah, on va à 5h, les gars, sur échangeur. Oh, je pensais qu'on jouait à Overwatch. Ah merde, mais t'as déjà des coups ? Non, je suis là. Bon bah ouais. Allez, go sur Overwatch. Ouais. Overwatch ? Comme ça, je te joue, ouais. Bizarre. Il est en train de l'acheter pour Ackerman. Puis Ackerman, vu qu'il a la fibre, ça va télécharger vite. Hein, Ackerman ? T'as vu, quand même, dans Raptor Gaming, c'est un esprit comme ça de partage. Bon, toi, c'est mon petit chéri. Et je t'ai dit qu'on va partager beaucoup quand à la Pyjama Week. Hein. C'est des lits doubles. On partage pas même un Raptor. Hein. Faut dormir deux par lit. Bah, par contre, les gars, je suis désolé de vous dire. Au mais pire, moi, je mets une chambre toute seule pour un Raptor. Hein. À part toi, si vous voulez dans la chambre. Bon, nous, on prend une chambre tout seul. Hein. Toi et moi ? Ah oui, oui. On prend la même chambre. Je suis seul à aller vous faire les fesses. Donc, je pense qu'il n'y en a aucun d'autre qui va se faire les fesses dans tout le monde. Alors, Primo. Primo, bah après, ça vous regarde, les gars. Envoie-moi ton email. Alors, Primo. Par message. Primo. C'est pas, on va pas se faire les fesses, c'est maman Raptor qui va se refaire faire les hanches, d'accord. Tu parles plus. Continue, secondo, vas-y. Je reviens ma poupée, je reviens. Continue tes conneries. Attends. Overwatch. Mais si t'as juste ton adresse mail, ça suffit. Bon, c'est Raptor. Attends, c'est. Attends. Oui, parce que maintenant mon adresse mail c'est Raptor. Oui, oui, sans souci. Mais envoie-le-moi parce que la dis pas à voix haute, tu vois. Sait-on jamais. Parce que sinon tout le monde va t'envoyer des jeux. Oh merde, un update! Sûr? Overwatch! Ah ouais, je l'ai fait. Ouais, c'est ça, je vais te faire voir. Il est trop fort, rien. Je sais pas, c'est. Il est gros comme un update en fait. Il y a. Je sais pas. C'est un patch. Sûrement. Oh, 1.14 gigas! Continue à jouer à Escape hein, parce que moi j'en ai pour une demi-heure, 40 minutes presque. Non, attends, je me suis trompé. Je vais te taper. Je vais lui envoyer quelque chose à quelqu'un d'autre. Ah, la mise à jour est déjà finie. Deuxième. Ouais, j'ai vu. Il y a 2 N. Je te dois combien en rien. Bah si. Il y a 2 N. Bah oui, il y a Ackerman, 2 N. Et je te dois combien Attends. Je sais pas encore. Ah, il y a des promotions sur le kit. Voir tes mails. Va voir tes mails. Ouais. J'ai pas eu de mail pour l'instant. Et bah, attends un peu. Mon car. Ah, il est parvenu. Si j'ai joué à Arma, ça se passe ou pas? Ça passe ou pas? Ouais, Alexis, tu couilles. Oui. Il veut savoir pour Escape. Si tu t'es trompé, Ackerman, je vais te buter.
Ah bah ça va, mon update télécharge quand même assez vite. Alors le popper, j'aurai l'avoir dans quelques minutes. Alabama. Il est étrange. Lui. Pour l'instant, tu vas pas encore le recevoir parce que j'ai pas reçu. Email de confirmation comme quoi il y avait un truc qui t'a été envoyé. C'est relou ça que tu puisses pas avoir les liens. À qui tu parles? Je parle tout seul. Ok. Ok, normalement tu devrais pas tarder à le recevoir. Ça va autoriser un paiement. Ok. Je te dois 39 balles, mais t'es malade. Ah non, 19. Non. Rien du tout, mon petit chéri. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour la maison. Garde tes sous pour ton équipement. T'imagines si Papa Raptor me faisait la même chaque fois que je lui donnais un jeu? Quoi? C'est trop cher! Moi, il a pas le droit de vérifier combien les jeux coûtent. Bon, il le fait, hein. Ou les cadeaux. Ah, il a pas le droit? Il le fait quand même. Comment il va quand même? Bah, t'as rien reçu encore toi? Non, toujours pas. Comment ça me fait chier? Oui, voilà, baba. Alexis Sanchez. Quoi, j'ai rien fait? Je sais pas ce qu'ils viennent me dire eux autres là, tic-tac. Non. Hein? Non. On t'en voit un peu là. Non, non. J'ai dit du coup les gars. Alors, je pensais qu'on avait entendu que si tu donnes un cadeau à un jeu, t'as pas le droit de vérifier combien ça coûte. Eux, ils disent que tu y vas tout de suite à chaque fois que tu leur dis, en plus. Les gars, qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Hein? Non, mais moi, je croyais qu'on se serrait les couilles, hein, parce que je vois à chaque fois qu'ils vont faire une connerie, je vais tout balancer à papa, à maman Raptor. Moi, je m'en fous. Il y a... Eh bébé, il y a une mise à jour, hein, sur... Ouais, je sais. Mais moi ça va, je préfère en dire le motif. Le live, il doit ouais, moi aussi. Parce que là, il n'y a rien qui se passe depuis tout à l'heure. Ah, on est désolé le live, hein. c'est on fait la mise à jour et puis on. Chante la chanson des éléphants en attendant. Attends, il y a Kenko qui est toujours sur le live ou quoi? Ah, je sais pas, il a été mute. Massimo, es-tu là, mon ami? Mais si tu es là, chante la chanson des éléphants. Arrête, ouais, non, mais ça se fait pas. Non, mais banne pas les gens. Normalement, il a dû revenir. Ackerman, essaye de mettre un message. Attends, je dis. Allez. Un éléphant qui se balançait. Elle est bien la chanson. Où toutes mes copines ont la pépite qui tremble depuis que. Arrête, on est en live. Ouais, c'est bon. Normalement, il est censé. Mais je parlais de la pépite qui tremble, toi, tu vas voir. Ackerman. Je te prends dans ton intégrale aussi si tu veux. T'as rien reçu encore? Non, j'ai rien reçu. Eh, je vais les taper, Blizzard. Mais est-ce que t'as ton application Blizzard ouverte? J'ai rien reçu, au moins. Pourquoi tu lui as pas juste donné le code pour qu'il rentre puis qu'il télécharge? Parce qu'ils m'ont pas donné de code. C'est en envoi. Comment c'est il t'a en pas envoi. Sérieux? T'es pas de courrier, c'est bien la bonne personne que t'as fait ça. J'espère que je suis sûr qu'il a c'est le bon email qu'Ackerman m'a envoyé. Bah sinon Raptor, je sais pas quoi. C'est... Bon, sinon je bloque le paiement PayPal. Toutes mes copines dans la pépite. Chut, c'est bon, t'arrêtes toi. Quoi? Il y a à savoir qu'il y a il y a pas mal de réductions sur le kit actuellement. Mais non, mais j'ai pas reçu un truc de confirmation comme quoi Ackerman avait. Et regarde pour toi Ackerman déjà. J'en reviens. Ok. Et t'as pas moyen de me l'envoyer sur Blizzard directement? Bah, trop tard maintenant. Quoi? Parce que ça t'a été envoyé par mail. Bah, ça m'a pas été envoyé par pas mail. Encore, parce que j'ai pas eu l'historique de trucs. Père, tu demandes à ce qu'il renvoie, c'est tout? Le paiement, gros. Tu bloques le paiement, tu me l'envoies via Blizzard directement, je t'ajoute. Oui, mais c'est un mec que j'ai déjà acheté. Oui, mais tu bloques le paiement. Attends.
je l'ai en tête, ta musique de merde, Asté. Même sans David, j'aimerais que tu arrêtes de fumer. Excusez-moi. J'en étais où, moi? Votre commande est en cours de traitement. Une fois votre achat finalisé, votre ami recevra un email qui lui indiquera la marche à suivre afin de recevoir son cadeau. Ça aurait été beaucoup moins long que tu l'achètes genre sur GDA, tu lui envoies le code, il rentre et hop. Mais j'ai un problème avec G2A. Et... Dans Instant Gaming ? Non, les deux c'est pareil. T'as un problème comment ? Ok. En gros, je me rappelle plus des comptes que j'avais fait avant. Du coup, j'ai un nouveau compte. Et sauf que mon numéro de téléphone est associé. Non, c'est compte. À mon ancien compte. Du coup, dès que je veux mettre mon numéro de téléphone pour la confirmation, et ben, ça me fait suer, tu vois. Du coup, c'est pour ça que c'est souvent Raptor Gaming qui prend en charge le jeu et je le rembourse. Tu peux actualiser quand même. Ils disent oui, les live, hein, parce qu'ils là, ils sont bien embêtés, les live, ils font rien du tout. Ou pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le live le temps que tout ça s'organise. Et puis on va revenir après quoi. Ok? Vous êtes d'accord avec moi? Bisous le live.